The two best teams of the summer split finally meet. Both FBX and EDG have shown exceptional form all season, and now lies one final test. Edward Gaming have been indomitable all split long, and despite a few experiments with their roster over the course of the split, they still stand at the top of LPL. Two AP carries going to do a lot of damage, a lot of shutdown gold going to be going over as well. As we can see, Mako flash grand entrance. Scout should be able to get away as now JJ has joined the fray with his trusty sidekick Viper. And this Viper has got some teeth, has got some venom, and will pick up a triple off the back of it. Flandre has been so consistently good this split. If EDG wants to take that first seed, best luck to the top lane to see those cylinders firing. Very desperate at fighting some of these fights, and they're not done. Oh, not at all. Aki thought he could save the turret. The structure is long forlorn. You can't do anything. The TP in from Dream, he might be able to show Suffer his way into the backline as well, but he's going to drag Flandre away and having to flash because he's noticed everyone of EDG is here. Kareem cannot escape from Flandre. FUN plus Phoenix will still have their Spring Finals defeat fresh in their minds. They will want to put that demon to bed and take that one last step to being the number one team in the league. To get some bombs in, that's onto Abel. Huge damage here, forcing the AD carry out of the fight. New as well, doesn't have the regen just yet to deal with four people. Aki on the sidelines, but LWX is just launching bomb after bomb from the back line. Doing B as well, absolutely monstrous in this fight as he takes yet another double kill. In with Crisp from the side, the second time in the game. More bombs in, another triple for Doing B, and FBX are just styling on OMG. Every team needs a star, a champion. Super Carry Doombi is the star for FBX. The 2019 world champion is in the form of his life and has the trust of everyone on his team to make the right call in the game. You just throw out that poke. Doombi here as well. Oh my Holy. God! Doombi just ended the game! That shockwave is it! You're dashed mentally after that game! Both teams will be dissatisfied with their finish in spring. Now they look to show the rest of the league who truly is number one. The last game of the season decides it all. There are no retakes. It's do or die for the top spot. De retour, mesdames et messieurs, pour la suite et le gros banger de cette année du côté de la Chine pour cette saison régulière. Les FUN plus Phoenix contre les Edward Gaming Nox. Comment tu résumerais ce banger en un mot? Je vais exploser. J'explose actuellement. Voilà, c'est ça. Je suis trop hype. J'ai très peur pour les EDG. C'est des gros concurrents que sont les FPX. Ouais. Ils font une saison absolument incroyable. C'est une série, pour l'instant, à l'avantage des FPX, qui est très serrée, on le voit. Ouais. 7-6, 20 matchs à 19. Bon, c'est vraiment... Le seed 1 à la clé. Oui. Il ne reste que deux places qui ne sont pas déterminées dans le playoff. Qui sera en haut de l'arbre? Qui sera en bas de l'arbre? Qui sera seed 1, qui sera seed 2, eh bien on va le savoir, savoir dans ce match. Que avoir le seed 1, c'est pas hyper avantageux sur les playoffs parce que tu prends quand même Sunning TS RNG alors que le seed 2 c'est WE, Raratom et BLG. Donc... c'est vrai, vu comme ça. En vrai, sache que si EDG perd, je serais triste, mais pas trop. Ouais, c'est vrai que ça compense un petit peu. Je vois ce que tu veux dire. Pendant qu'on voit le pentakill de Doombi sur son Lee Sin. C'était une game que nous castions d'ailleurs tous les deux. Nox, RNG, FPX. C'était une très très belle game, un très beau BO. Et effectivement, un gros match à venir. On a également des replays de FPX contre JD Gaming. Alors, nos chers FPX se sont inclinés trois fois sur trois BO comme Edward Gaming. Ils se sont inclinés, on le rappelle, contre bien sûr les LNG à 2-1, contre également les... Je cherche parce que je n'ai plus en tête. Contre... Attends, mais ils ont que des victoires contre IG 2-0. Et oui, ils ont perdu. C'est ont perdu contre IG 2-0. Et ils se sont également inclinés contre les Bilibili Gaming 2-1. Et si les FUN plus Phoenix ont le seed 2,
bah, ils rencontreront possiblement les BLG en bas de l'arbre. Les BLG qui ont fait tomber les RNG hier dans un gros match, dans BLG, une grosse rencontre. Ouais, BLG, ils me surprennent. J'aimais bien l'équipe, puis j'étais sceptique, et puis en fait, si, c'est trop bien. Donc, je suis très très contente de tout ce qui s'est passé cette saison. Et là, on revoit EDG. Alors, EDG, pour rappel, qui sont tombés face à Top eSport, RNG et WE. Donc il y a eu flottement côté EDG, il faut l'admettre, notamment face à WE où c'était une game qu'ils auraient dû prendre et qui n'a pas été prise. Ils se sont quand même imposés face au LNG en laissant un match. La forme plus récente des EDG est plus complexe, clairement. J'espère qu'on saura s'adapter comme il se doit pour cette grosse rencontre. Ouais, clairement. Un truc important, c'est que EDG ont été un petit peu en perte de vitesse sur la fin du summer. On l'a senti contre justement WE, contre V5, on ne reconnaissait pas trop l'équipe. Alors elle a rassuré d'ailleurs ici contre LNG avec le pentakill de Titi en ouverture contre CLNG avec son Olaf. Il a pris le pentakill avec en dernier kill, et bien voilà, cette top lane sur Light. Flandre qui fait une très grosse game, qui passe, enfin, comme c'est Titi qui récupère le pentakill, ça paraît moins, mais il a fait une game vraiment scandaleuse pour protéger Scout et Viper dans ce BO. Ouais, et du coup, Light, malgré son hit and run, n'aura pas réussi à se sortir des griffes de ce Viking, Frel Jordien, qui est Olaf. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses, mais bon, effectivement, les Dirt Gaming, ça remonte un petit peu en termes de contrôle du jeu sur le la fin du summer contre aussi. LNG. Effectivement, il y a alors, c'est plus une erreur de Tarzan qui voilà, pensait avoir le burst, mais il laisse le Nashor à 100 HP sur un smite foudroiement qui ne passe pas. Et du coup, voilà, il y a un Nox qui trigne d'impatience à l'idée que la draft commence. Mais je pense que peut-être la prod va nous envoyer encore quelques petites stats. Voilà, il y a des stats également qui vont arriver. On pense à Scoot, bien sûr, le midlaner des Edward Gaming, qui est un très très gros midlaner, mais il est face à pas n'importe qui. Il est face à un champion du monde qui n'est pas allé au Worlds dernière et ça doit lui peser très très lourd. Dwinbi contre Scoot, c'est l'un des gros match-up de ce BO. Ouais, Dwinbi qui a globalement des stats un peu meilleures que Scout, à savoir que Scout a aussi beaucoup joué Lulu dans ce summer split, donc forcément c'est le genre de pick qui peuvent influencer les stats. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit le Lee Sin qui va être un pick partagé, mais au final Dwinbi qui a assez peu joué là, le blanc et le Sylas, alors que c'est des picks sur lesquels on pourrait l'attendre éclatant. Je pense que ça reste des picks qui vont être très important. De toute manière, le Lee Sin, il est important sur toutes les lanes, je pense, sur ce match, que ce soit sur Flandre, que ce soit sur Tietje, que ce soit sur Scout, que ce soit sur Dwinbi, que ce soit sur Tian ou Nuguri, tout le top side peut jouer le pick. Vous le voyez d'ailleurs, les picks qui sont contestés, le Ryze, le Sylas, le Jace, la Zoe, la Akali, le Galio, le Nocturne, le Viego, il y a beaucoup de choses. Dwinbi joue plus de variété de picks que Scout, ça c'est sûr, on connaît le jumbo de Dwinbi qui est immense. Mais il n'a pas joué le blanc, il n'a pas joué Lucian, il n'a pas joué le contre, on va dire l'un des meilleurs contres à Leblanc dans la méta qui est Lissandra. Ouais. On pense également à Malzahar qui n'est pas non plus dans son champion de pool. Alors en tout cas, ça doit y être quelque part, mais il ne les a pas joués. Et il y a ce Azir également qui peut faire la différence en late game, en scaling. Par contre, Dwinbi, voilà, c'est du Kled, c'est de la Guanomide, c'est du Renekton, c'est du Set, c'est des choses basses sur lesquelles tu peux pas forcément trop abuser. Et avec ces picks là, Dwinbi peut juste contrôler, push la mid lane et décaler sur ses sides. Mais il y a un truc qui me plaît, c'est que le Azir tend à revenir et on sait que c'est un gros pick pour Scout. Et en plus, c'est un pick qui peut très bien punir les décalages de Dwinbi parce que ça follow pas trop mal, mais ça punit parce que ça push beaucoup. Donc ça peut punir sur la tour, sur la T1 mid, et ça peut gêner énormément les FPX. Donc quoi qu'il arrive, je pense que Scout est probablement, alors peut-être pas le meilleur mid laner, ça c'est évident, mais par contre c'est le mid laner qui a le champion pool et le style des jeux qui peut probablement le plus gêner Dwinbi parce qu'il sait aussi bien décal que punir sur sa lane, et il est tout à fait capable de jouer les deux, ce qui est finalement pas si souvent le cas en LPL. Je vois ce que tu veux dire. Clairement, Scout à ne pas sous-estimer, il était dans une équipe championne du monde quand même, Scout, mais il n'a pas pu jouer, il n'était pas le sub de Faker, c'était Easy Yoon, mais voilà, en 2015 Faker avait Easy Yoon et Scout en sub, il ne faut pas l'oublier. J'ai très envie de voir un Scout Faker Worlds. On verra, et ça ce sera pour dans quelques semaines, quelques mois. On verra un petit peu ce qu'arrive à faire T1 également. Des fois ils arrivent à faire des choses, des fois ils sont un peu ennuyants. Enfin bref, il y aura pas mal de choses côté T1 en ce moment. Que FPX et EDG ont lock leur place pour le Regional Qualifier. Tout comme RNG d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que, alors c'est pas sûr qu'on les revoie pour autant, puisque bien évidemment, en fonction de qui gagne les playoffs et qui aura le plus de points en fonction des playoffs, certains d'entre eux se seront probablement qualifiés
qualifiés. Donc probablement qu'on ne verra qu'une seule de ces trois équipes sur le Regional Qualifier. Je pense, oui. Mon pronostic, c'est que voilà, sur ces trois équipes, RNG, EDG, FPX, bah, y en a une qui finit première des playoffs, mm-hmm. du coup qui est qualifiée en site 1. Mm-hmm. La deuxième, entre RNG et EDG, je pense, sera qualifiée au point, mm-hmm. Parce que je vois la FPX gagner. Et ensuite, la troisième ira en Regional Qualifier et gagnera le site 3, n'ira pas en play-in. Là où, voilà, un TES Sunning, Raratum peut aller chercher un site 4. On pense à BLG aussi, du coup, en site 4. Ça pourrait le faire, ce serait pas du tout ridicule pour représenter la Chine. Et on est rentré directement dans la première draft de ce BO3 entre Edar Gaming et Fun Plus Phoenix. Un peu déçu que ce soit pas un BO5, mais on verra ça au playoff. En tout cas, Band of Jace, Viego et Gwen du côté des Edward Gaming et Fun Plus Phoenix de leur côté, pas de Xin et pas de Ziggs. Non, en effet, il y a toujours le Lee Sin par contre de disponible. On a dit que c'est un pick intéressant. EDG joue Blue Side, EDG a le first pick et le Renekton sera choisi. Il peut être joué par Scout, même s'il n'a pas joué sur Summer Split. On sait qu'il est capable de le jouer. Flandre également. Après avoir, on a vu le Tamkench aussi qui n'a pas été tant joué que ça en LPL et qui. Pourrait être pris aussi pour le support de poste de support ou pour le poste de top laner. Ouais, c'est vrai qu'il est flex support ou top, un peu à la manière d'un Set par exemple qui peut jouer un petit peu sur les deux rôles, le Tamkench, mais qui offre quand même beaucoup de choses en plus, je trouve. En tout cas, on hésite Lee Sin, Diana, ce sera le Lee Sin. Lee Sin qui peut être joué bien sûr par Tian, le grand Tian avec son Lee Sin. Il avait eu le MVP des Worlds 2019 avec ce champion. Oh, oui. Et il peut également être joué au mid, bien sûr, dans les pattes de Dwinbee. Et le deuxième pick à venir côté Fun Plus Phoenix. On sait qu'on va avoir un Renekton quelque part côté Edward Gaming, probablement au niveau de la top lane. Tamkench peut être une réponse, Gwen peut être une réponse. Elle est ban par contre, donc on ne la verra pas ici. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent aller embêter un petit peu un Renekton. La Diana de Tietje est le meilleur joueur de Diana sur ce Summer Split. Ouh. Et c'est Locke avec le Lucian directement pour Scout. On joue agressif, on veut jouer. Bien sûr, oh oui. C'est la meilleure chose à faire contre les Fun Plus Phoenix, les déranger sur l'early game. On a vu que voilà, ils arrivaient à faire des choses, mais quand même, Fun Plus Phoenix, ça a besoin de temps pour setup, les objectifs, etc. Ils ont globalement, entre les deux équipes, si on peut en parler rapidement, les stats sont très proches. On est peut-être un peu plus orienté farming du côté des Fun Plus Phoenix, là où Edward Gaming a un peu plus d'agressivité. Par contre, derrière, en objectif et en vision, ça se dispute également. Objectif plutôt faveur Edward Gaming, vision peut-être un peu plus en faveur des FPX. Du coup, voilà, il y a un petit setup à mettre en place côté FPX avant d'aller sur les objectifs, là où les Edward Gaming prennent parfois un peu plus de risques et leur composition va dans ce sens. Le Lucian va falloir le faire fonctionner dans cette draft. Ouais, très clairement. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a des picks qui punissent très bien pour EDG et on sait que c'est leur grande force, hein. C'est probablement l'équipe qui punit le mieux l'adversaire et avec ces picks qui ont été choisis, avec ce Lucian et ce Renekton notamment, on peut punir très sévèrement et j'aime bien. Et du coup, la réponse instantanément pour Crisp, c'est un Brome. Je trouve que c'est une réponse qui est très lucide. On veut pull ce Aphelios, on veut laisser à LWX la possibilité de s'exprimer. LWX, ouais. Parlons-en un petit peu de LWX, on en parlait un petit peu en off avec Nox à l'approche de ce haut. Bien sûr, tu vois Viper devant. Enfin, je trouve Viper un petit peu en dessous par rapport au sprint, mais il est moins mis en lumière. Mais LWX, je le trouve ultra, ultra chaud. Et il est sur son Aphelios avec un Brome. Il va avoir de quoi s'exprimer. Le Lee Sin, s'il ne fonctionne pas pour engage, peut être également là pour pile ce Aphelios. Et pour moi, il y a un affrontement également au niveau de la botlane Viper LWX. C'est une très, très belle affiche. Pendant qu'on voit les bans, Rakan, Varus côté FPX, Sylas et Ryze côté Edward Gaming. On se méfie quand même de ce potentiel pick du côté de Dunby. Et la réintroduction pour LWX. Peut-être le jungler ? Ouais, en tout cas, je crois que ce Lee Sin plutôt est dans la jungle. On hésite pour un top laner du côté des FPX un peu plus largement. Le Darius de Nuguri. Oh ! Le Kennen de Nuguri ! Bien sûr, bien sûr. Le Kennen de Nuguri qui va être sélectionné. Aïe, aïe, aïe. Ah là là ! Face au Renekton, ça peut être intéressant. Alors, à savoir, en vrai, que théoriquement, Lucian peut être joué top et Renekton mid. Et si vous avez suivi le Bagger Club de la semaine dernière, vous savez que Flandre est un gros joueur de Lucian. Saint-Gun-Bro, exactement, c'est un surnom qu'il hérite directement de son jeu sur le Lucian. On va choisir du coup du weak side assez visiblement pour EDG, c'est normal, on a un top side très strong, il y a un Aphelios en face, mais on prend cette hache quand même qui peut être très efficace dans le tracking du jungler avec un Tamkench. On en parlait de ce Tamkench support, c'est sûr que dès qu'on a la dévoration au niveau 6, eh ben on est encore plus safe, c'est du contrôle supplémentaire, c'est une traversée des abysses qui fait peur parfois. On hésite avec le tunnel, ça ferait beaucoup de slow, pourquoi pas. Mm-hmm. Après, sincèrement, ça permet de setup un petit peu plus facilement la flèche de Cristal Enchanté, ce pilier. Et du coup, on a gardé le flex du Lee Sin jusqu'au bout. Est-ce qu'on va aller chercher
un Victor du côté de Doinbi. C'est peut-être le match contrôle le meilleur contre Lucian. Et il est disponible ici. Il y a le Twisted Fate qui convient parfaitement au style de jeu de Doinbi pour décaler justement sur les sides. On aurait du coup le Lee Sin dans la jungle. Irelia, c'est peut-être pas la meilleure réponse sur Lucian, mais c'est vrai qu'on est sur le 11.14. Il y a ce max du W qui est très fort. Ouais, très intéressant ce pick Irelia. Et ça sera joué par Doinbi. Et honnêtement, un pick aussi mécanique dans les mains de Doinbi, ça me va complètement. Les deux drafts sont incroyable. Ça scale quand même relativement mieux du côté des FPX, donc il va falloir savoir terminer cette game du côté des EDG. Ça va être un gros enjeu. Il faut prendre l'early game à son compte et terminer vite, parce que le late game avec un Kennen, une Irelia et un Aphelios, t'as pas trop envie d'y passer. Elle est géniale, les deux drafts sont géniales, les Dorgaming qui vont aller setup un petit peu des fights. On a envie de jouer sur un topside fort avec un duo mid jungle très fort côté Dorgaming, et pour accompagner ce duo, malgré qu'on soit au bot, on aura quand même le pigeon de la AH, on a des potentiels roaming avec le trundle également, donc il y a des choses à faire clairement. Là où les Fun plus Phoenix, bon, on est peut-être un peu plus en contrôle avec des options, avec cet électron libre de Doinbi sur la mid lane qui est un pick très mécanique, un pick qui lui va très bien, le pick de Irelia. On a ce Kennen qui va devoir trouver des options de flanking, et derrière, si on arrive à trouver les options de flanking pour Nuguri dans les fights, on aura absolument tout ce qu'il faut pour LWX pour aller chercher eh bien, des bons teamfights. Pile avec un Braum, il devrait pas trop être inquiété si vraiment Nuguri arrive à trouver le flank, bien sûr, parce que derrière t'as un Lucian, un Renekton, une Diana qui vont vouloir te go in. Il faut esquiver forcément le pli du Trundle, il faut esquiver les flèches de Cristal Enchanté. Aphelios n'est pas le champion le plus mobile, il n'est pas avec un Thresh, il est avec un Braum qui devra tout le temps être devant lui. Ça va pas être une game facile pour LWX. À savoir que c'est la première hache de Viper, et c'est un pic qui demande un positionnement absolument parfait. Et j'ai très envie de voir Viper à l'exercice, parce que ça peut faire des dégâts. Ça peut faire énormément de dégâts, une hache, si on n'arrive pas à l'attendre. Par contre, c'est un pic très peu mobile. C'est pour ça que j'appréciais beaucoup le Tahm Kench. Même si, bon, le Trundle, c'est cool, ça fait très mal. Et honnêtement, dans les premiers niveaux sur la bot lane, ça peut vraiment faire la différence. Parce que c'est le Trundle qui tabasse et c'est le Trundle qui DPS dans les premiers niveaux. C'est clairement lui qui aura les dégâts sur la lane. Ça, on va pas tergiverser 10 000 ans pour savoir. C'est bien Meiko qui a les dégâts. On part Exos, pas de heal, pas d'ignite sur la bot lane des Edward Gaming. Pas de purge hein, pour LWX. Il en ferait d'ailleurs pas forcément grand chose, quoique sur la flèche de Crystal ça aurait pu être pas mal. Il partira probablement sur une QSS d'ailleurs. Il joue le heal avec une exhaust du côté de Crisp. Sinon, en termes de runes, c'est relativement classique. On ne joue pas l'Aeri du côté de Lucian, c'est quelque chose qu'on avait vu récemment. Pas de Aeri non plus pour ce Kennen qui va jouer Conqueror. Téléportation bien sûr pour le solo laner, et encore une fois pas mal de branches inspiration principalement côté Edward Gaming. On a besoin des cookies pour tenir les phases de lane. Et quand je vois le match-up Doinbi, Doinbi Scout, enfin en tout cas Lucian Irelia, il y a un truc qui vient à l'esprit, c'est l'ancienne ulti, enfin la première version de l'ulti Irelia après son rework qui avait un disarm, et face à Lucian et à Ashe, ça aurait été une arme absolument incroyable. Malheureusement, ça n'existe plus, et on le voit, Scout qui domine Doinbi dans les premiers niveaux, c'est normal, c'est un Lucian, il n'a aucun match-up négatif sur l'early game, à part peut-être... Non, il n'a aucun match-up négatif sur l'early game, j'ai rien dit. Oh, les 3500 assists bientôt pour Crisp, ça devrait arriver hein, dans ce BO, plus que 4 pour les 3500. Quasiment moitié moins que Meiko. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, il n'est pas encore à 7000, mais oui. Voilà. On a une certaine avance pour Meiko, c'est sûr. Après, il a dépassé les 6000 au début du summer. Meiko. Il joue depuis bien plus longtemps aussi. Hein. Meiko est là depuis vraiment longtemps. 2015, ouais, il me semble. Et il a commencé quasiment chez EDG. Et il est resté chez EDG tout du long. C'est un joueur très fidèle à sa structure pendant ce temps sur le top side. Nuguri qui joue son skin face à Flandre sur un Renekton qui va devoir jouer très tôt avec une Diana. C'est complètement envisageable. Ouais, alors niveau passing jungle, on a la volonté de jouer plutôt bot side du côté de Tian, là où Tietje va plutôt jouer top side. Il a un Renekton, il a la priorité pour l'instant. Après, on sait que Nuguri, surtout sur un Kennen, c'est fait pour zoner. C'est un champion range qui peut mettre en difficulté un Renekton. Mais bon, voilà, sur les premiers niveaux, on a quand même des dégâts de zone assez impactants hein, sur un Renek. Donc il faut être vigilant pour Nuguri qui commence l'âme de Doran hein, pour appuyer un petit peu au niveau du POC. Le Lee Sin arrive au niveau du boss set. On va avoir un Carapateur de part et d'autre. Et pour l'instant, au niveau de la mid lane, bon, on a vu que Scoot commence à prendre la prio normal champion range contre melee. Mais attention, parce qu'avec une Irelia, on peut trouver des fenêtres d'ouverture, des fenêtres de trade. D'ailleurs, il a un peu plus de sbire, Doinbi, pour l'instant.
En effet, je pense qu'on se précipite peut-être du côté de Skad pour gérer ses... Quoique, il y a des sbires qui restent, donc c'est vraiment even en termes de sbires. Les deux junglers qui s'échangent, donc les carapateurs, on joue là où on a la pression. Donc bot side pour FPX, d'ailleurs ça trade, le pilier était bien trouvé, mais... L'incassable fait le travail hein, pour clairement. Le groom de Crisp. Sans problème là-dessus, Tietier qui va avancer un petit peu, une ward placée. Là-dessus, il y a un gank peut-être au mid. Normalement, on est sur un timing back voilà, pour les junglers. Les deux sont en train de back. D'ailleurs, on est bien synchro des deux côtés. Et Dundee qui va positionner une ward aux alentours de sa mid lane. Fais attention quand même. Normalement, la Diana va repartir au niveau de ses Krugs. Et Lee Sin va repartir lui aussi sur son topside. Et on n'a pas vu l'habituel pigeon très early pour traquer le jungler. Alors, je ne sais pas si c'est que l'Ops ne nous l'a pas montré. Ou c'est ici... C'est ce qui n'a pas été envoyé du côté de Viper. Flandre qui subit beaucoup. Forcément, hein, on a dépassé le niveau 3, ouais. On met la pression du stun, hein, le passif de Kennen. Et du coup, forcément, avec son champion corps à corps, Flandre est obligé de respecter maintenant ce timing contre le Kennen. Son objectif, c'est finalement de récupérer un maximum de farm possible, se rendre disponible un peu plus pour ses mates. Après, on aura la priorité pour la lane sur le côté Nuguri, donc il y aura peut-être des gants qui a setup hein, sur ce Kennen pendant qu'au mid. Attention, la rotation est très bien exécutée. Le flash est Crisp bien. Crisp a mis son exhaust. Le first blood sera pour le Lee Sin de Tian et on arrive à se repositionner. Flash out pour Dwinbee. Tian un petit peu dans la sauce, mais il peut tanker pour ses coéquipiers. Et bonne opération, bonne rotation du duo support jungle, Defend plus Phoenix. Ouais, c'est très très bien. Est-ce qu'avec la présence de Miko, on peut faire quelque chose? Le pilier, il faut poser le pilier. Tieti qui va tomber lui aussi. Les FPX qui accélèrent très tôt. 3 kills, non! Oh, le coup de tour! Le coup de tour qui passe pas sur Crisp, il va rester en vie. Et ce sont effectivement 2 kills. Le Crisp qui touche! Tian qui prendra le kill sur le Trendle de Miko. On y est. C'est une potentielle finale des playoffs de LPL sous vos yeux. Et ça commence très fort. Ça commence très très fort, 3 kills déjà pour les FPX, 1500 gold d'avance, même un peu plus. Ça c'est l'early game des FPX qu'on leur connaît. C'est une très très belle rotation qu'on va pouvoir revoir. Alors, la déjà, téléportation déjà, par contre de Scoot. Oui, elle est douteuse cette téléportation. Et derrière forcément on link, hein, on a les CC d'un Brome et même si Tietier est là, on n'a pas réussi à mettre assez de dégâts. On n'est que niveau 4 pour Indiana, c'est pas le timing forcément sur lequel on a envie de jouer. Et la présence de Meiko, il n'y a pas eu de pilier de poser. Et c'est ça qui est problématique. Là, dans le tas, il fallait mettre un pilar qu'on n'a pas pu trouver du côté de Meiko. On sera forcé au flash pour s'en sortir. Et le coup de tour qui passe pas derrière Tien qui... Hop, petit dash, il est dans le fog là. Petit dash, Q-spell. Et ça passe vraiment pixel. Hein. Ouais. Un peu plus sur la droite, il ne touchait pas. Attention au mid. Par contre, Dwinbee qui n'a plus de flash, qui se fera sanctionner par le déluge de balles de Scoot. Et c'est un kill pour le mid laner des Edward Gaming qui va pouvoir en profiter pour aller récupérer une plaque. Tian était en train de terminer à clear son bot side. Par contre, un niveau 6 du côté du jungler. Defend plus Phoenix. Attention à toi, Scoot. Ouais, il va falloir faire attention parce qu'en plus, on n'a plus de flash. Par contre, on joue dans les sbires, c'est pas trop mal. Il faut faire attention, Tietier qui va. Comme on sait exactement où est Tian. On vient subtiliser quelques camps, notamment ses Krugs. Et on a posé d'ailleurs de la vision, vous l'avez vu, près du red buff adverse. Flandre qui encaisse toujours, on tient en termes de sbire. Alors le back pour Tietier, on a récupéré l'alternateur X-Tech. On a un cristal également, on va partir bien sûr sur la Rocket Belt. On va aller essayer de chercher un maximum de dégâts et on revoit la rotation de Flandre qu'on n'avait pas vu pendant le replay. Oui, il a pris la plante de vision, il est arrivé au mid et c'est lui qui set up ce gank sur Dwinbee. Ça n'avait pas été vu. Le flash in, le tranché coupe, le stun et pas de souci avec le déluge de balles sur ce timing. On a bien sûr les dégâts pour aller prendre ce kill. Par contre, Tian qui a engagé d'ailleurs pour l'instant ce dragon des nuages. On a la priorité mid, on a la priorité bot, on a même la prio au niveau de la top lane. On est absolument tranquille et c'est un dragon à 0, 30 secondes avant l'arrivée du premier héros de la faille. Ouais, c'est un timing qui est important. Par contre, on va voir le bounce de la wave pour EDG. Est-ce que la bot lane peut décaler pour un... Ah, Miko, il est bien ce dewarder, mais ça touche quand même. Le royaume de troll qui est posé. Le gardien qui proc. Et on l'a vu hein, dans le BO précédent. Le gardien sur un Brome, ça fait la différence. Ouais, c'est impactant, clairement. L'exhaust qui va revenir d'ailleurs du côté de Crisp. On a toujours les summoners sur LWX qui est un petit peu devant en forme. Alors, il va se faire chahuter hein, un petit peu en lane par la range de Viper sur la hache. Mais voilà, tant qu'il arrive à être un petit peu devant,
au farm, ça va bien se passer. On a un très bon scaling avec Aphelios, avec Iria. Donc en termes voilà, d'avancer dans la game, LWX, il sera bien. Il a un bon combo d'armes. D'ailleurs, on va engager deux. Si on a l'Infernum qui vient de disparaître, le Calibrum qui arrive, on a énormément de range. L'Incassable qui fait le travail, le passif du bro. Mais c'est un kill sur le support des Edward Gaming, Meiko qui se fait avoir là-dessus. Et c'est un kill pour LWX. Ah, très clairement. Et on prend le large du côté des FPX ici. Ils font deux plays en parallèle de chaque côté de la map, un kilo bot, et de l'autre côté, le héros de la fight qui est engagé. C'est la spéciale EDG ça normalement, mais on n'arrive pas à installer le rythme, on se fait un petit peu avoir, notamment à cause de ce mouvement mid hein, qui a permis à FPX de générer de l'avance. On est présent, Tieti est là. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le smite? Ça semble compliqué, le Dominus. On avance, on a réussi à récupérer un petit peu de position. Ça a été récupéré, la culling. Le maestro, en plus de ça, on a mis beaucoup de dégâts. Flandre qui finira par tomber. Flashy de Tien. Tieti est tombé. Est-ce que Twinbee peut survivre? Meiko qui prend une fois beaucoup de dégâts. Crisp qui est là. Et Scout qui restera seul. C'est un 3 pour 1. C'est un 3 pour 1, Nox, avec un héros de la faille dans les poches de Fun plus Phoenix. Attention, le Shuriken qui va toucher Scout, c'est bon, est assez loin. Mais encore une fois, un fight, une escarmouche à l'avantage des Fun plus Phoenix, 2500 gold d'avance. Un héros de la faille, on a pris le premier dragon tout à l'heure et on a laissé LWX tout seul au bot qui récupère 10 sbires d'avance sur son opposant qui va pouvoir trouver un très très bon reset. Tout se passe bien pour l'instant dans cette early game pour Fun plus Phoenix. Ce qui est inquiétant, c'est que normalement l'early game avec Diana, Lucian, Renekton sur ce top side, c'est censé être Edward Gaming pourtant. Ouais, très clairement, la Q-Link qui est à côté en fait pour Scout. On n'a pas la bonne position, le Malassin qui est bien trouvé, Tian qui met trop longtemps à tomber. Et Meiko qui tente avec son pic, il sait qu'il doit jouer tôt, mais malheureusement on a déjà presque trop d'avance du côté des FPX. Ouais, on a une bonne avance, ça va permettre d'assurer ce scaling mid-game. Alors attention, la composition mid-game des Dirt Gaming, elle est quand même très 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 solide. Et on arrive, voilà, doucement mais sûrement sur ce mid-game. Gardez en tête que voilà, une fois que les plaques sont tombées, on est complètement dans le mid-game. Et que voilà, on est globalement dans ces timings. Dans deux minutes, on aura ce second dragon. Potentiellement pour les Fun plus Phoenix, il faudra voilà, sécuriser. On évoluera soit sur une faille infernale, soit sur une faille des montagnes. Et les Edward Gaming, voilà, qui pour l'instant sont un petit peu chahutés, n'ont pas la priorité sur ce bot side. On voit le héros de la faille qui est utilisé pour l'instant au niveau de ce bot side. Ça va aller charger au bot. Et on appuie également au niveau de la mid lane et de la top lane. Kennen du Nugget qui n'arrête pas. Des plaques qui vont être récupérées par LWX et par Crisp. On accumule un maximum de ressources, 3300 gold d'avance. Ouais, les bots qui ont été terminés déjà du côté de LWX. Alors que c'est la Gale Force qui a fait son apparition dans les poches de Scad. Scad qui fait son premier rythme très tôt. Dwinbee vient de terminer le sien aussi quand même. Deux Estropieurs du côté du duo mid-jungle des FPX. Alors, Flandre qui va récupérer le Gromp. Ce sera toujours ça qui ne sera pas utilisé par Tien. À moins que, voilà, le petit smite. Et on récupère ses ressources. Et on a quand même 25 sbires d'avance hein, du côté de Tien. Par rapport à Titier. Une plaque peut-être à venir au top pour Nuguri. On a les Gornunkers qui font leur apparition. Le duo mid-jungle des FPX, là, il faut pas le tester. Ah non, il va falloir tenter de jouer ailleurs. Mais Tian est tellement partout que ça peut être très compliqué. On maintient quand même une avance en termes de CS pour Scout. Mais c'est tellement compliqué pour eux. J'ai bien peur que cette early game complètement verrouillée pour FPX ne puisse pas permettre à EDG de s'exprimer à un moment dans la game. Gale Force, côté Scout, ça peut lui offrir des options de repositionnement. Mais voilà, il y a quand même cette Brumble Vest côté Dwinbee qui réduit un maximum l'impact de ce Lucian, en tout cas dans son matchup. Tietier qui récupère son headbuff, il est complètement vu par la vision Fun plus Phoenix. On n'hésite pas, dès qu'on a une petite opportunité, un petit peu d'information, on va dans la jungle adverse, on pose de la vision et là on a le positionnement de Tietier. Donc normalement côté bot side pour Fun plus Phoenix, il devrait pas se passer grand chose. On va assurer un maximum la vision. Vous voyez, il y a même cette pink ward du côté de LWX, mais il a préféré ne pas avancer dans la rivière puisqu'on sait que normalement Tietier est sur ce bot side. Donc voilà, on joue de manière la plus safe possible. Par contre, on a également Tian hein, qui est sur ce bot side. Il arrive en shadow de sa bot lane et qui a la pression mid, c'est Dwinbee. Il décale pour sa bot lane. Ouais, assez logiquement, hein. C'est typiquement son style de jeu. Après, on a une ping dans le tribush, donc on le verra entrer normalement quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'information plus tôt? Ça, c'est autrement plus compliqué. Scad, par contre, qui décale sur le top side. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur Nuguri? La Kulin qui touche, le stun aussi, c'est très très bien joué ça de la part des EDG.
On a trouvé une décale efficace du côté d'Edward Gaming, mais est-ce que ça va être suffisant pour rattraper tout ça? Pas vraiment. Il n'y a pas de ward pour TP du côté de Flandre et de Scoot. Attention, Tyrion, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là-dessus? Il arrive directement sur Meiko, c'est le support de cette équipe d'Edward Gaming. On va évoluer sur une faille infernale, directement le dash sur la ward, le Q-spell qui connecte. On est en soumission du côté de Meiko, donc pas de soucis. Normalement, on a assez de tankiness contre ce Lee Sin. Deux dragons à zéro. On est toujours voilà, sur à peu près 2500 gold d'avance, mais on récupère une plaque supplémentaire pour le Renekton. Plus de flash par contre pour Flandre. Et Nugiri, lui, a sa téléportation. Il a son flash qui revient. Et on a une opportunité de retrouver un fight potentiellement sur ce héros de la faille qui ne va pas tarder à arriver d'ici 1 minute 30, 2 minutes, Nox. Ah ouais, c'est... Ça... En fait, il faut le faire du côté des EDG parce qu'il faut obtenir de la tempo. Et en même temps, obtenir de la tempo pour offrir du scaling au FPX, c'est pas non plus une bonne idée, mais ils sont tellement déjà en avance. On va revoir comme ce bouffe qui était vraiment propre. La communication entre les deux solo laners était très efficace ici. Ouais, c'était vraiment très très clair. 14 minutes de jeu, les plaques viennent de tomber, le carapateur sur le top ça vient d'arriver, c'est parfait, le héros de la faille arrive à peu près dans une minute maintenant. Donc il faut contrôler cet objectif, pour l'instant on dispute le blue buff, Doinbi avance également avec son jungler, ce sera sécurisé tout de même par TT, ce sera smite, on ne prend pas le risque de se le faire subtiliser, c'est bien trop impactant sur le timing mid game, par contre voilà. Le carapateur, lui, sera sécurisé. Doinbi qui max et qui a terminé, bien sûr, de maxer son Z. N'a aucun problème à push la wave. Il est niveau 11 avec sa Irelia. Il est accompagné par Crisp sur le côté qui a ses summoners. Donc là, on a un Doinbi qui est très, très, très dangereux. Mmh, ouais, assez logiquement, on fait un très beau travail de vision du côté de Crisp. On se positionne au bot. On a de la range, on a le... Calibrum encore une fois côté de LWX et le héros de la faille qui est engagé. Le contrôle de la map d'FPX qui est bien meilleur que celui des EDG à ce stade là, en même temps on a tellement un meilleur contrôle de lane que c'est forcément compliqué après pour s'avancer dans cette rivière. On a réussi quand même à trouver une position. Winvie est un peu trop loin derrière, on n'a pas réussi à trouver l'attraction lunaire sur Noguri qui est quand même midlife. Du côté du bot side, on a réussi à trouver des CC sur LWX, c'est ce qu'il va survivre. Oui, puisque Crisp est là pour le sauver. Très très bon flash out hein, et très bon heal, fallait le mettre. Attention, ça continue au niveau de ce top side, ennemi dans la mêlée. L'ultimate a été utilisé, Tien qui rentre dans la mêlée la également. Il encore. Peut peut-être aller prendre le kill sur Flandre. Oh, le repositionnement avec la force du vent et leur kill de part et d'autre. Tien qui va essayer de se replier sous la tour, mais il est pris en chasse par trois joueurs des Fun Plus. Le kill sera pris par le support des FPX et ça continue au niveau du blue buff. C'est bon, on va pouvoir reset tranquillement. Le héros de la faille n'aura pas été sécurisé. C'est encore une fois un trade en faveur des FPX 2 pour 1. Bon, on a le contrôle de la mid lane sur, pour les EDG, le pilier pour gêner un peu. Mais la présence de Crisp hein, qui sauve complètement les WX qui était clairement pas au bon endroit ici. Il le sait en plus hein, qu'il est là. On tease le heal en plus là-dessus. Et, le move... et en fait, le vrai problème de ce move, c'est qu'on n'arrive pas à tuer Nuguri. Et du coup, il peut TP et revenir. Et même si Flandre en vrai temporise énormément de temps. Ce n'est pas du tout suffisant. Ah, Doinbi hein, qui restera en vie. Crisp qui prend le kill, c'est un peu dommage. On aurait aimé avoir ses ressources sur la Irelia, bien sûr. Après, il est déjà tellement bien stuff. Il y a un bounty hein, sur sa tête à Doinbi. Et il va arriver au niveau de la botlane. Téléportation de disponible, donc pas de soucis. Si on doit regrouper au niveau du héros de la faille, on peut le faire. Il a le blue buff. Il récupère énormément de ressources en solo. Ce qui va accentuer également son avance en XP hein, qu'il a... Déjà un petit peu, deux levels d'avance par contre impactant en jungle. Oui, très clairement, Doinbi qui récupère cette tourelle bot side, en plus on force de téléportation instantanément. Est-ce qu'on peut le réceptionner? Flandre lui en tout cas va tomber, il est trop loin tout seul. Oh pardon, il est encore en vie sur LWX, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Pas du tout, pas du tout. Il a été enfermé, ouais. Va reset, mais on va pouvoir le récupérer du côté des FPX puisqu'il en est en infériorité numérique une nouvelle fois pour les EDG. 4 à 10. C'est pas évident à jouer ce move pour EDG parce que bon, déjà t'as Flandre qui se fait enfermer. Ouais. De l'autre côté, bah t'es mis sous pression en cross-map par la Irelia qui peut revenir parce qu'elle a sa téléportation de disponible. En général, quand on a un désavantage de TP, faut jouer sur les champions adverses qui ont leur téléportation parce que du coup ils ne peuvent pas jouer dessus. Mais là c'était compliqué parce qu'il y a le héros de la faille aussi à sécuriser, on veut pas laisser le deuxième mais du coup on force un peu trop. On se fait avoir, on concède un kill et on offre ce héros de la faille dans les poches de Tian encore une fois. Et en général, Tian, il aime bien les utiliser assez rapidement parce que comme ça, il récupère sa trinket.
Et il peut refaire ses fameux dashward kick. Donc le héros de la faille là, bon, en général le deuxième c'est pour la mid lane, ça permet d'avancer un peu plus facilement au niveau de la map. Il va falloir par contre coordonner tous à côté FPX parce qu'il y a un dragon qui arrive potentiellement le troisième. Ouais, le problème c'est que du côté de EDG on va arriver bientôt vers la fin de leur temps de jeu. Oh, le flash in de Dwinbi directement, est-ce que Titi peut sortir le pilier? Bien, on va réussir à link, mais le stun ne touchera pas. On a trouvé une attraction lunaire par contre qui est vraiment correcte. Scout peu DPS sans être inquiété, mais la Diana est déjà tombée. Flandre et l'OHP une nouvelle fois. L'impact de Crisp avec son Broom est monstrueux. Héros de la faille, on en parlait. Une charge, c'est la tourelle qui est prise. On va peut-être aller chercher le fight entre les deux tours. LWX continue de mettre des dégâts. Voilà, la tourelle est récupérée. Par contre, le déluge de balles est monstrueux. Nuguri ne pourra pas trouver le flank sous la T2 mid lane des Edward Gaming. La charge par contre va pas. Et on a perdu LWX dans l'opération qui s'est fait surprendre par le move audacieux de Scout. Ouais, le Scout qui a un très très bon, il fait une belle game, hein, mine de rien, mais c'est juste que ça ne suit pas ailleurs. Et notamment sur ce premier move sur lequel il s'est fait avoir. On va récupérer un troisième dragon pour les FPX. Ah, je crois bien que cette game se dessine assez sérieusement sur une victoire FPX. Bah là, dans 5 minutes, 24 minutes de jeu. 24 minutes et 12 secondes de jeu pour être exact, on aura le dernier dragon élémentaire potentiellement qui fera son apparition. Ça pourrait, voilà, le temps de le préparer, de setup le fight, etc. à 25 minutes de jeu à offrir cette âme finalement des infernales au Fun Plus Phoenix. Et s'ils la prennent à ce timing 25 minutes de jeu, normalement c'est quasiment plié à 90%. Après, pas sous-estimer la puissance hein, quand même et le talent de ces joueurs Edward Gaming, bien comme sûr. Avec ce pick-up. Attention par contre, Flandre encore une fois qui s'est un petit peu enfermé là-dessus. Il est pris en chasse par Tian et par Nuguri. Le flash-out sera forcé. Par contre, il n'est pas du bon côté de la map. Mais il peut peut-être s'en tirer en passant par la rivière pour que Tietje trouve un angle. Il trouve un angle. L'attraction lunaire, le kill. Instantanément récupéré. Supériorité numérique à jouer pour EDG. Faudrait compter combien de fois il s'est fait avoir sur ce Summer Speed LWX parce que c'est terrible. Si il ne fait pas ça au moins une fois par game, il explose, je pense. Vraiment. Son positionnement est toujours hyper douteux. Bah, il est au mid, c'est juste qu'il a pas de ward derrière lui. Il récupère la du coup, wave. Du coup, tu t'avances pas. Tu t'avances par pas. Contre, il est intelligent, il sait qu'il était mort. Du coup, il garde son flash, il garde son bien heal. Sûr. Et il les utilisera. Il les utilisera quand il sera avec son support dans les regroupements. Et c'est ça aussi hein, la force d'un gros AD carry, c'est savoir quand utiliser ces ressources-là. Ouais. Il était condamné. Bon, il avait pas de bounty sur la tête, c'est pas grave, il va revenir. On perd pas grand chose sur la map puisqu'il y avait plus d'objectifs à aller chercher de toute manière. Non, bien sûr, mais ça donne des golds au EDG. Alors bon, ils ont pas un si gros scaling que ça. La Ashe et la Diana, ce qui est très bien, bien évidemment. Mais c'est vrai que face à un Aphelios, c'est toujours un petit peu compliqué. Ceci dit. Oh, il a récupéré le raid, tu sais, j'avais pas vu. Il faudra reconnaître que si on arrive à neutraliser Aphelios, peut-être qu'on a des chances en teamfight pour EDG. Mais il va falloir aller le chercher par contre. Et vrai, ça va pas être simple. Ah, il a quand même été surpris qu'elle arrive depuis sa jungle. Ouais. Hein. Alors qu'il venait d'avoir cette pink ward dans le bush. Et du coup, bon, vous le soulignez bien dans le chat, hein, une Diana en 0-4 qui cale un burst comme ça. Alors, il n'y a pas de résistance magique sur Aphelios, ça reste une Diana, ça burst à l'engage, c'est un peu du all-in engage, donc c'est normal hein, qu'elle ait la capacité quand même d'aller burst, et c'est son rôle. Une fois qu'elle a fait Diana. Ça, elle a plus rien quoi. C'est ça, après elle est exposée, heureusement pour elle, il n'y avait personne. Attention d'une bille qui ne touchera pas. Le duo parfait, Tian sur le côté, LWX qui est revenu. Il a un Gravitum, donc c'est du contrôle supplémentaire potentiellement pour les FPX. Ouais, d'ailleurs, on a cette orbe de l'oubli sur la Diana, qui est importante, qui est à ne pas négliger, puisque sur une Irelia, sur un Felio, sur un Lee Sin, ça a de la valeur, ce genre d'item. J'attends une marque du bourreau aussi assez rapidement sur l'un des deux AD carry. Probablement Ashe, qui je pense est plus utilitaire et qui du coup a plus de value sur ce genre d'item. C'est vrai. C'est vrai, le Dominique est là, il y a pas mal de choses. Attention, Nuguri qui va rencontrer le duo des Edward Gaming, le mid-jungle, qui ne passera pas par quatre chemins pour aller enterrer Nuguri, qui aura utilisé son Maelstrom dans l'opération. Il se croyait en 1v1, pas du tout. Par contre, il a toujours son flash. Ouais. Il va falloir temporiser le CD du Maelstrom, mais c'est le problème, c'est peut-être l'opportunité des Edward Gaming. Il y a beaucoup de catch sur les FPX qui sont réalisés. Ouais. Un joueur qui se balade un peu tout seul et qui se fait sanctionner. Ouais, c'est ça, 5-1 sur ce Lucian quand même. Hein. Tienne qui touche pas l'onde sonore, on se regroupe, on est 4 sur cette mid lane. On est même pour les EDG. Ouais. On a le Lucian au niveau du bot, mais il y a la TP hein, qui est disponible et totalement. Et Viper qui se fait pas avoir. Hein. C'est une Ashe, elle se fait un peu oublier. Elle a ses bots, elle a son shield beau. Mais il a 10 CS de plus que son adversaire. Par contre, il s'est complètement fait avoir. Ici, il suffisait que j'en parle pour que FPX se souvienne qu'il existe. Ça touche pas ce sidestep. Pendant ce temps-là, vous voyez
Scout qui récupère la T1 sur le bot side. Rien n'est joué encore. Il savait que Tien allait tenter le kick flashé ou le trickward avec le kick. Et du coup, dès qu'on le voit arriver avec son coup résonnant, on met la flèche de cristal. Ça lui donne le temps de se replacer. Et avec tout ça, contre un Lee Sin aussi bien dans la game, pas besoin de flash out, pas besoin de purge. De toute façon, la purge contre Lee Sin, c'est un peu dérisoire, c'est juste contre le slow. Et du coup, très bonne opération de Viper qui évitera derrière, bien sûr, le Q-spell de Crisp. Donc voilà, il est très très fort, Viper, on n'en doutait pas. Mais c'est vrai qu'il n'est pas sur le pic forcément le plus mécanique, il n'y a pas de dash. Il faut bien clic droit sur H, c'est ça le secret. C'est vraiment ça le secret sur H, et j'ai aucun doute que Viper est capable de le faire. Il a d'ailleurs terminé son Witsend, qui a de la value statistiquement, purement et statistiquement. Mais comme en plus de ça, il y a de la paix sur le Kennen en face, ben, on le rentabilise encore un peu mieux. Scout, il fait mal là, en fait, ouais. Stuff. Scout, il fait très mal. Les Saint River Dominique, les Saint River qui vient juste d'arriver. Attention à ce Lucian, gardez-le bien dans votre vision, dans les phases de regroupement. Et la phase de regroupement, on en parlait, 24 minutes de jeu. Dans 12 secondes, il y a ce dragon qui fera son apparition. Ah voilà, 24 minutes et 15 secondes, on en parlait. Potentiellement, il va venir Tian le kick sur Scout. On arrive à focus peut-être. Et la fissure glaciale de Crisp est monstrueuse sur 4 joueurs. Les Fun plus Phoenix qui tentent de continuer leur avancée. LWX avec la force du vent pourra peut-être récupérer le kill également sur Flandre qui s'est un petit peu perdu dans cette jungle. Le proc du Steric, mais il va se faire rattraper par le gap close incessant des Fun plus Phoenix. Ce sont 3 kills qui arrivent, pas de mort côté Fun plus Phoenix. C'est un dragon qui va être récupéré. Cette rage du dragon était pixel, et en plus de ça, au même moment, Dwinbi se rue dans la backlane des EDG et donc on les cancel complètement. On ne peut pas jouer dans cette situation pour EDG, clairement pas. Et c'est donc une âme des dragons récupérée excessivement. Le pull vert. Oh là là, il jump sur Tieti derrière, ouais. Trickward, le kick flashé, ouais. C'est tellement clean. Ouais, là, c'est, bah, il n'est pas MVP de la finale des Worlds 2019 sur son site pour rien. Effectivement, attention, par contre, on engage le baron Nashor, c'est un peu compliqué. On est low life. Les Fun plus Phoenix sont temporisés. La VO Claire de Lune va connecter. On est sur un Severum Crescendum. Mon combo d'un pour aller au corps à corps pour aller de et l'engage de Nuguri qui trouve un très bon maestro. Mon contrôle. Viper, un joueur en Viper, contrôle Viper. De Viper se fait avoir. Nuguri qui peut rentrer dans la mêlée. On va pouvoir récupérer un kill supplémentaire. C'est très bien fait. On est encore 5 joueurs vivants côté Fun plus Phoenix et l'avancée au niveau de la mid lane. Je crois bien qu'il va falloir commencer à reset mental du côté des pour aller chercher une game 2 parce que là c'est compliqué. Flandre en 1v5, est-ce qu'il peut le faire? Pas du tout, on a pris le kill sur la Diana. C'est un ace et c'est la fin de game. C'est la fin. C'est les Fun plus Phoenix. Voilà. Ouais. Allez, c'est fou ce level. Genre, ils se sont fait catch, ils ont fait des erreurs les Fun plus Phoenix. Ouais. Mais malgré ça, ils arrivent toujours à trouver des opportunités leur de early, fou. Leur early était si huge que c'était trop difficile de revenir. Ça a été extrêmement bien joué de leur part. Et mon petit cœur saigne déjà. C'est pas fini, Nax. C'est pas fini. C'est un BO3. Les Edward Gaming, ça reste une très très grosse équipe de LPL. Ils peuvent bien sûr revenir dans ce BO. Mais il y a un gap dans cette game numéro 1. Et je me demande si c'était pas un manque d'options de la draft qui a pas trop de scaling finalement. Les EDG n'ont pas draft quelque chose qu'ils ont l'habitude de jouer. D'habitude, on draft bien plus teamfight et late game. Et là, on a voulu prendre les EDG à leur propre jeu, ce qui peut s'entendre d'avoir des outils pour jouer early. Mais là, c'était trop compliqué ça. Sitôt, le graphe de Gold le montre, sitôt, c'était à l'avantage des FPX. Cette game, le MVP pour Tian, je pense. Sur ce move au Drake, il le prend. Hein. Il a très bien sécurisé également les Drakes. Et il a très très bien match finalement sur le passing de Tietje, le sanctionnant en début, lui coupant un petit peu les pattes. Ouais. Et vous le voyez sur le graphe, à chaque fois qu'il y a un petit pic, on va dire, qui n'est pas en faveur des FPX, c'est un catch des Edward Gaming sur Fun plus Phoenix. Mais on n'a pas réussi à capitaliser dessus. Il n'y avait pas forcément d'objectif à aller chercher sur ces pick-up. Ça permettait de rester un petit peu à flot en termes de gold, mais pas à prendre l'avantage. Et je me demande ce qui va passer. Les Edward Gaming vont avoir le choix du side en game 2. Et on sait que les FPX perdent très bien en red side. Peut-être que les sortir de cette zone de confort, ça peut être la solution pour Edward Gaming. Ouais, je te rejoins. Après, on est plus à l'aise en blue side du côté des EDG. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de changer de side? Ça reste à voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va partir très rapidement pour une petite pause. Et on va revenir, bien évidemment, pour la suite et potentiellement la fin de ce BO. Non. Égalisation, je pense. En tout cas, on va voir ça effectivement après une petite pause. À tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Sarah Fabrère, mon pseudo c'est Kilimias, j'ai 32 ans et je suis réalisatrice. De retour, mesdames et messieurs, pour la suite de ce BO EDG face à FPX, mon cher Frost. FPX mène la danse avec EDG qui draft pas tout à fait leur style de jeu et des FPX, eux, par contre, qui appliquent parfaitement le leur. Ouais, bah, c'est le style de jeu FPX qu'on connaît. Ils sont tournés vers l'agressivité et c'est vrai qu'ils continuent à le faire. Dommage, hein, parce que c'est vrai que là, les FPX sont pris un petit peu à l'ascendant, mais c'est vrai que les EDG, bon, Titi qui a trouvé aussi des petits pick-up, mais ça suffit pas. Et c'est vrai qu'en face, j'ai l'impression que quand ils sont tournés vers l'avant, encore une fois, c'est eux qui ont l'initiative des fights. Regroupés, ils vont très vite vers l'avant, ils font des kills et puis ça enchaîne, hein, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on attend une réponse EDG parce qu'on voit pas un monde où en vrai je verrai un 2-0 comme ça claquer. Moi j'ai peur en vrai, je sais pas pourquoi je le sens venir. Ouais, clairement. Du coup voilà. Mais je soutiendrai EDG, là n'est pas la question, même si je pense qu'ils n'ont pas forcément de chance, je vais être derrière eux. Donc j'avoue, tu verrais vraiment un gap quoi dans le BO, tu verrais quand même FPX un petit peu devant là sur ce que. Je soutiens, mais je suis pas d'élu non plus. C'est beau aussi de pouvoir reconnaître. Effectivement, on a le droit d'être supporter tout en reconnaissant les rapports de force. Ouais. Pour le MVP, vous aviez peut-être un petit peu une idée. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Tian, je pense. Ouais. Dwin B. C'est abusé. Hein. On lui donne la possibilité de gagner le concours des MVP. En tout cas, on le disait. Ah, c'est vrai, il vient d'égaliser avec Knight. C'est vrai, parce que Knight n'a pas récupéré de MVP sur le BO d'avant, je crois. Si, il en a eu un. Tu sais, sur celui où t'as cru que Jackie Love l'aurait sur la première game, je crois. Et du coup, c'est Knight qui l'a eu. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a deux... du coup, Dwin B vient de prendre son 3e MVP. Son 13e, pardon, MVP. Ouais. Et du coup, il n'est plus qu'à 1. Il faut vraiment gagner encore un MVP pour égaliser avec Knight. La course n'est clairement pas finie. On a les highlights, évidemment. De la première game. Compliqué, l'initiative est magnifique. Je trouve que ce move, c'est quand même Tian. Pour moi, c'est Tian qui fait la différence dans la game. Mais bon, après, Dwin B était là en termes de damage. Et il était assez précis avec sa Irelia, donc je ne m'y retire pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il va falloir se lancer dans cette deuxième game, trouver le reset mental du côté des EDG. Ouais. Draft peut-être quelque chose qui est plus adapté aussi par rapport à leur style de jeu. Ouais, alors contre FPX, soit tu arrives à les temporiser, tu prends un peu de réception, tu vois quel side tu veux un petit peu essayer de bait pour ensuite repartir. Est-ce que tu veux être un petit peu plus polyvalent? Alors je sais pas trop ce qu'ils peuvent jouer, mais Viper peut jouer beaucoup du Ezreal, c'est vrai qu'il était tourné vers de la Kai'Sa, Varus. Il peut jouer le Aphelios, après généralement très je sais pas open, c'est vrai que contre FPX... j'étais open, il était ignoré là, sur la première draft. D'accord. Ouais, j'avoue que j'aurais préféré aussi un Thresh. Je pense que le fait de draft le Brome pour Crisp, c'est plutôt une bonne chose. Crisp brille assez peu en vérité sur les picks à engage, à part la Rel sur laquelle il est vraiment très très fort. Et du coup, je pense que ce Brome c'était une bonne chose. On savait qu'il fallait défendre ce Aphelios. On a voulu lui offrir du peel. On avait suffisamment de quoi faire le ménage et engage du côté du topside. Donc on n'avait pas forcément besoin de plus. Et le but c'était de protéger ce Aphelios. Donc non seulement le Brome était bien pour FPX, mais en plus de ça, c'était un bon pick pour EDG et on leur a retiré. Ouais, c'est ça. En fait, on deny un petit peu et en même temps, on a une capacité vraiment à la fois de fissure glaciale, de porte de la montagne avec Guardian. C'est vrai que sur Aphelios, ça peut être bien de le coller et en même temps de caler des CC en plus de pouvoir un peu suivre une initiation et d'avoir un peu une deuxième lame. Et c'est vrai que, bon, Crisp, il joue beaucoup ça, hein, c'est-à-dire que tous les tanks initiateurs, hein, Nautilus, Alistar, Leona, beaucoup qui étaient très méta en ce moment, le Thresh quand il laissait open. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, il faut pouvoir les déloger un petit peu. J'attends de voir, j'espère que la draft sera un petit peu plus au rendez-vous parce qu'en vrai, quand Vapor Meiko, normalement c'est capable. Hein, ouais, en fait, le truc c'est que quand on regarde les derniers BO et EDG, la draft déjà leur faisait défaut, ça leur a fait défaut face à TVS, ça leur a fait défaut face à V5, ça a parfois été compliqué face à LNG et je trouve ça dommage parce que.
On peut faire mieux, je trouve, du côté de EDG. En tout cas, on est relax. Du côté des FPX, ça sourit, ça rit. La Irelia a été retirée, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on supprime du côté des FPX sur ce dernier ban? Il y a Lee Sin qui est toujours pas ban. Quid de Viego, mais apparemment, c'était pas forcément OK. Le Ziggs pour empêcher cette bot lane qui prend éventuellement le lead et la macro. Et on réfléchit pas deux secondes côté EDG, ça sera le Renek, Renek qui peut être placé. Ah, mais je suis pas sûr. Ça veut dire qu'on veut jouer sur un gros side solo avec une possibilité Tietje Flandré. Ouais. Ou alors, évidemment, Renek peut être décalé. Ah, il y a une reprise possible. Hein. Est-ce qu'il peut jouer du Viego? Il y a toujours le Nocturne de Dwenby. Viego, possibilité de... La Gwen a été retirée à Nuguri. Tian, il a son Lee Sin potentiellement de nouveau. On sait que c'est un joueur... voilà, il y a le Viego laissé open. Hein. Il y a aussi une possibilité de Volibear, que j'aime bien du côté de Tian. Mais ouais, des pics comme ça. Alors, la capacité de Diana, Viego aussi. Le Lee Sin, on l'a vu, deux secondes en pré-shot. Viego on qui peut prendre... être placé. La Diana, et ce sera lui Aphelios une nouvelle fois. On veut pas laisser Aphelios à Viper, et en plus de ça, ça fait partie desquels sur lesquels LWX se mouille pas trop et sur lesquels il peut jouer. Maintenant, il faut répondre du côté de DG. Qu'est-ce qu'on choisit? Là, je pense que si on prend pas Thresh, c'est compliqué de le laisser juste avant la deuxième phase de ban. Oui, mais avec quoi tu le joues ce Thresh? Ils veulent reprendre la. Ah, c'est le même début de draft, mais cette fois, le Lee Sin. Le Lee Sin sera sécurisé pour ouais, Scout, tu peux jouer probablement. Varus ou Kai'Sa, hein. Ah, ils ont pris Lee Sin. Ah, mais là, du coup, ils préfèrent prendre limite Braum en réception plutôt que le Thresh. Mais parce qu'ils veulent protéger LWX. Ouais. Après, on voit les moves de LWX tout à l'heure. il n'est jamais bien positionné. Hein. Il faut le protéger, LWX. Ouais, c'est plus au CAC avec Porte de la Montagne que la Lanterne. Donc, ça sera bien le Braum. Lee Sin, Diana, du coup, de verrouiller. Donc, Lee Sin plutôt en lane. Diana en jungle pour Tietje. Avec un Lee Sin pour Scout, Scott. Je pense. Ouais. Donc, on a les joueurs ont pris leur pick directement. Hein, sur les, voilà, il manque la bot lane. Donc, on va commencer à détruire le pool de Meiko, ce qui peut être problématique. Ban de Rakan, ban de Syla, c'est ça. Je dis oui. Contre Dwenby, parce que là c'est un scandale s'il peut s'emparer du pic et ban du Varus de Viper. On n'aimerait pas qu'il puisse contrôler et prendre un petit peu le lead en early mid game alors que déjà il y a un strong side top et éventuellement Diana Lee Sin mid lane jungle, c'est compliqué. Est-ce qu'on ban contre Dwenby? C'est dur de tout retirer. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer? Dans ce cas-là, est-ce qu'on target même au top? Est-ce qu'on banne le Jace contre le Renek? Le Jace est déjà ban, pardon, en premier ban. Ouais, peut-être le... Ce sera le 7. Ok, pourquoi pas. Oh, pour Tian. Maintenant, pic d'introduction pour Dwenby. Le Malzahar en refus de lane. Pourquoi pas? Par contre, ça décale pas aussi bien que ce que Dwenby apprécie en général. Donc, à voir. En vrai, il y a ce Gnar aussi. On peut offrir le last pick à Dwenby, c'est possible, et offrir le oui, Gnar à Nuguri. Pourquoi pas? Ouais, ouais, ça va c'est Gnar est bien dans Renekton. C'est un pick très solide pour Nuguri, donc on va offrir le last pick à Dwenby. Maintenant, il va falloir lock cette bot lane pour EDG. En vrai, si tu veux vraiment être ultra énervé, tu prends une Kai'Sa, ouais, plutôt le safe Ezreal. Avec le Ezreal. Ouais. Ouais, je préfère le Ezreal. Leona ou... Karma. Oh, d'accord, pour être sûr d'avoir le push. Ok, ça scale pas beaucoup mieux que tout à l'heure, pour être honnête. Non, clairement pas. Là, côté EDG, c'est vraiment early mid ou rien du tout. On a du late game, on a côté FPX la capacité de prendre finalement... Oh, c'est validé pour Tian. C'est donc un Viego mid et le retour de la Lilia. Ah, je suis... Bon, ça scale une nouvelle fois bien mieux du côté des FPX avec ce Aphelios. Il faut une nouvelle fois jouer très tôt du côté des EDG. Alors, par contre, du côté des FPX, si le Viego va réclamer à jouer très tôt, c'est pas le cas de la Lilia. Ouais, Lilia qui avait un petit peu disparu, Lilia qui gamebreaker sur l'ultimate. Capacité à être très mobile quand même, les camps étaient assez faciles. Mais oh, on re-switch au dernier moment, je crois. Oh, et c'est la Lilia mid. C'est la Lilia mid et le finalement Viego. C'est pour ça qu'il rigolait, Dwenby, je crois. Il a dit faisons le swap. Oui. Et au dernier moment, enfin, pas au tout dernier, puisqu'on a jusqu'à 20 secondes, ils ont changé à peu près à 35. Entre 30 et 35. Non, oui, il y a une. Il faut avoir swap avant les 20 secondes, les 20 minimum. Secondes, je crois. En dessous de 20, tu peux plus swap. Ouais. C'est la règle. Alors, de à savoir façon. Que.
Worlds, la Lillemid était jouée 5 fois. Ouais. Et elle a 20% pas, de win rate. C'est pas un gros, ouais, pas un gros win rate. Ouais, mais c'est les FPX, c'est pourquoi pas tenter des choses et c'est assez insane. Et hein, elle de, a jamais été de faire jouée ça contre mid. EDG. Elle a jamais été jouée mid dans une ligue majeure. C'est le premier, c'est la première Lilia mid dans une ligue majeure. Toujours incroyable sur Dwenby qui veut rajouter en fait des picks à son tableau. Et ça sera la Lilia et on met le Viego dans la jungle. Et Lilia polyvalente et peut-être justement on veut tester ce match-up et voir un petit peu comment ça apparemment Dwenby la traîne de ouf. Ah, j'ai très très hâte de voir. Alors après... Pic secret. Alors je suis désolée mais statistiquement ça n'apparaît pas. Voilà. Alors peut-être en LCK. Peut-être ouais. que c'est le site qui a. Ah, c'est possible. Si Chovy l'a joué mid, je peux comprendre que ça donne des envies. Ouais. Chovy qui est clairement un des meilleurs midlaners ouais. du monde. Showmaker, Chovy, Knight et Dwenby. Voilà le quatuor, je pense, du top world, tout simplement, en termes de midlane. Même si évidemment certains parleront des fulgurances de Caps, hein, qui est le seul peut-être à pouvoir s'intégrer. En tant que midlaner européen du LEC. Et la prise de vision très classique maintenant sur le red buff ouais. hein, qui a été pris tout de suite. C'est parce que c'était au Spring Split. Ah, ah d'accord, bah, c'est pour ça. Alors si tu as eu les stats du Summer. Oui, c'était en effet les stats j'imagine. Du Summer. Alors, je vais retourner regarder. Là, vous avez piqué Nox là au Bah non, mais coin, c'est vrai que je suis curieuse. Ah, ouais, c'était joué une fois. 3 de KDA pour Chovy. Sur cette Lilia mid avec laquelle il a gagné. Non mais pour moi s'il l'a joué mid c'est que c'est valide. Oui mais apparemment Dwenby l'a joué mais je l'a joué en enfin la traîne en solo queue. Donc pas donc ok c'était une strat voulue pique au dernier moment. C'est vrai qu'il voulait vraiment bait la Lilia jungle et au dernier moment on peut flex. C'est ça la force de frappe à chaque fois de ces nouveaux piques qui peuvent un peu se flex partout et en plus de ça quand t'as Dwenby Tian et Nuguri tu peux jouer beaucoup de choses partout. Et c'est un enfer, puisque en face, t'as du mal à pré-shot les match-up et au dernier moment, ça swap. On prend tout de suite le niveau 2, normalement, la transi pour EDG. Ouais. Tété qui est à nouveau sur cette Diana, peut-être pour faire la différence. Flandre qui récupère la pression sur cette early game. Par contre, la Lilia, bah, Lilia ça push. Alors, Lilia, je pense que dans un match-up range, c'est compliqué, mais là, face à un Lee Sin qui est un mêlé, qui va donc être à la merci de. De toutes les fantaisies de Lilia sur cette mid lane. Il va y aller, c'est vu normalement Flandre qui avait un peu les infos oh, sur le red se fait buff. Avoir. Il ouais. a son flash, il a plus de flash mais le stun a connecté. Ah c'est mort, hein. c'est et mort. C'est il peut foutu, plus c'est foutu. Ouais. First Blood un petit peu classique, j'ai envie de dire le back directement de la part de Tian. On a fait le taf. Quel enfer ce champion sur la mid lane. Ah, c'est ça en fait, c'est que c'est ouais. ultra mobile et pas censé se faire hit par les ondes sonores et derrière la capacité à clear un petit peu la wave. J'imagine c'est vraiment là pour prendre une prio, beaucoup de mobilité et l'ultimate qui est de toute façon intéressant. Et du côté Tietje qui était en train... Bah forcément d'invade hein, en cross map ouais. puisqu'il sait qu'il y a eu un gang sur le top side et même ça, ça ah, passera ça va pas. Être récupéré. Oh là là, catastrophique avec le décalage de Chris le flash. Au flash-up, mais ça a quand même touché. Bon, on va rester en sécurité, mais plus de flash sur cette Diana. Mais quoi qu'il fait le décalage, est-ce qu'on peut vraiment aller les embêter? C'est compliqué de ah, créer du il mouvement. A la prio de sa bot lane. Le problème, c'est que c'était un petit peu even et derrière, il s'est fait avoir sur le bleu. Ah, et on va revoir. Il voulait l'avoir en mini-gnar, ça se transpose juste au mauvais moment. Et là, en plus, le timing est pas bon pour Flandre. Ah, mais en fait, il a gros sur un timing méga-gnar. Il a ouais, pas de vision, il est trop avancé. Il y a rien qui va dans le positionnement de Flandre. Et c'est normal qu'il se fasse sanctionner. Ils avaient mis le trinket sur le red buff. Hein. Ils savaient que normalement, il y a une possibilité. Après, ils pensaient peut-être qu'une fois qu'il aurait clear le top side, il allait vers le bot side. Vu qu'en plus, la bot lane des EDG était en train de push à outrance. Mais non. Attention à la vision et Flandre qui s'est fait un petit peu avoir, il va rester un peu en défensif. Lui qui déjà lutte forcément dans un match-up un peu défavorable avec un Gnar en face. Par contre, sur ce bot side, ça se passe pas si mal, on se fait respecter du côté de Viper et Meiko. Ouais, Scout qui a pris pas mal de dégâts, attention, c'est dommage hein, s'il se fait poke et en plus de ça, il se fait contrôler la wave. Dwenby, il est là sur sa lane avec un spell qui fait la largeur de sa lane, comment tu veux faire? Comment tu veux jouer? C'est perturbant, j'avoue. Et décalage forcément, hein, la possibilité d'aller prendre la vision tout de suite. Il y avait déjà une ward positionnée. Ah, la bombe qui inquiète dans tout le contrôle du topside et Flandre ne pourra vraiment pas avoir d'aide. Le problème, c'est que comme on a draft weak side du côté de Viper et Meiko, même si on a la pression parce que le karma ça tape, voilà.
On va chercher à jouer sur le topside normalement, mais si on empêche cette Diana d'arriver sur le topside, d'ailleurs les deux jungleurs qui se rencontrent tiennent directement dans son 1v1, il y a les loups également. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Il y a un shield, le smite pour Regen. Ouais. Dwinbi peut faire le décalage, il y a plus de flash sur Tieti et Kioli directement sur Dwinbi, mais ça ne marchera pas. Deuxième kill de récupérer pour les FPX et je crois revoir le début de la game 1, mon cher Frost. Ouais, c'est tellement frustrant parce que je comprends pas un joueur de cette qualité. Le kill qui va être récupéré, Meiko qui va pouvoir disengage alors que ça s'active Scout. Avec la middle lane, Scout qui va essayer de disengage tout ça. Mais ça va être récupéré, le route. Oh, le kill de Tian. Deux kills sur Tian. Et c'est un Viego qui a tout ce dont il avait besoin. Le snowball early. Ouais. Et attention à pas aller trop vite. Et pourquoi Nox il continue à agresser Tieti alors qu'il sait qu'il y a forcément une prio sur la mid lane du côté de Dwenby qui peut fermer la porte. Il a voulu absolument contester sa jungle qui est malheureusement plus trop à lui déjà en ce début de game où on est en train de verrouiller entre le top, le gank qui était bon. Au mid il a la prio, Dwenby décale, Tian peut complètement invade, prendre les ressources. Et pour l'instant, ça fait tellement le taf. On revoit l'action sur Scout. Scout qui avait son flash, Nox. Et il a flash, il flash là. Ici. C'est vrai qu'il a plus de dash ward, j'imagine, pour il voulait aller vers sa bot lane. Ouais, mais sa bot lane était loin, c'est compliqué. Bon, en tout cas, grâce à tous ces mouvements qu'on a réussi à prendre du côté des FPX, on a bien évidemment le premier dragon, comme sur la game précédente. Tu l'as dit, en plus, ils sont derrière avec cette composition qui scale moins, qui est là, qui est censée être agressive. Tieti qui est énervé, qui veut essayer de rentabiliser puisqu'il sait que de toute façon il y a beaucoup de présence de l'autre côté de la map, qui va essayer de prendre un maximum de ressources pour rentabiliser avec le top side de la jungle adverse. Par contre j'aimerais revoir exactement comment LWX est mort. Oui c'est vrai qu'il est tombé. Parce que je suis très curieuse, on n'a pas vu. Oui oui, on a vu la fin sous la tourelle quand il s'est fait récupérer, on n'a pas vu le début. Il y a eu une récupération. Il a heal, visiblement. Je crois que c'est Meiko qui a fait des bons dégâts aussi à distance. Ah, mais c'est une karma, c'est une karma. Ouais. En vrai, j'aime bien le pic de karma dans le Brome pour une raison assez simple. Oh là, on a un overlay qui. Ouais, il y a des soucis. Qui bégaye. C'est pas grave. J'aime bien ce pic de karma parce que tu tapes plus souvent que ce que le gardien va être disponible. Et en plus, tu tapes fort. Et du coup, j'aime bien cette réponse. Ah, c'est surtout qu'ils ont vu qu'ils avaient une botlane qui était un petit peu weak side et ils voulaient absolument avoir le push et la capacité. Parce que derrière, imagine s'ils se faisaient push bot alors que mid lane c'est compliqué. Du coup, top lane c'était un match-up défavorable aussi. Normalement, t'es. Oui. En fait, top c'est compliqué, mais c'est plutôt l'avantage du Gnar. Je pense que la Lilia n'était pas forcément anticipée. Oui, c'était compliqué de pré-shot ça. Tian qui va y retourner forcément avec Dwenby. Contestation de la part de Scout. La rage du dragon, ça a été claqué. C'est bien ça, Tieti. Mais on régène encore le smite de Tian. On veut aller la douce perso. C'est pas si mal, mais Scout, il gêne énormément. Oh, c'est bien ça. Directement, Dwenby est très loin. HP, Tian qui. Olin qui arrive à trouver un kill sur la Diana. Scout va tomber également. Non, il est en vie. Il a pris ce kill. C'est du 2 pour 1. Nuguri qui va essayer de trade, mais ça ne passe pas. On revient. Oh là là. On revient. Nox bouillante là sur cette capacité à finalement encaisser la pression et à repartir sur la re-engage, on l'a vu, des Edward Gaming. Malheureusement, il y a Flandre qui est venu un petit peu ratisser derrière. Ah dur, parce que là, les EDG étaient bien relancés hein, sur cette finalement absorption de pression. Attention Meiko. Oui, parce que ça peut être le bait des salades ça, avec le carapateur qui est juste à côté, qui regarde l'action sans bouger, il a un peu peur. Et toujours Viper à l'oppression avec Meiko qui est là pour évidemment faire la police au niveau de la river. Et on gratte les plates, ça c'est une bonne nouvelle côté EDG, parce que se dire un mid-game plus explosif pour l'ES. Et on attend évidemment le mythique qui avait été nerf bien sûr pour les ranges, hein, vous le savez, Divine Cinderer récupéré généralement par le Ezreal qui était trop fat. Attention Tian avec la capacité à Dwenby de décaler une nouvelle fois, il veut ce bleu apparemment. Flandre qui va être obligé de disengage la jungle. Scout qui est un petit peu derrière, le blue a reset, on perd un petit peu du temps, mais attention parce que là il y a du deny topside et c'est répondu en crossmap avec les Edward Gaming qui vont prendre un maximum de plate. Et ça va être un timing. Alors, le héros de la faille est disponible depuis une minute même. Les FPX qui veulent faire un move sur le topside pour ensuite se projeter peut-être sur l'objectif. Et attention au dive là-dessus, Nox. Ah, Flandre qui se fait avoir. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des CC? Pas du tout. On régène, mais pas suffisant. Le dive qui a été bien orchestré ici de la part des FPX. On va pouvoir récupérer des plates. Ouais. Et attention, ça a ping du côté blue, c'est-à-dire EDG avec la priorité récupérée mid. Capacité à décaler vers le héros de la fight, puisqu'on ne va pas le faire côté FPX. Après, on a trouvé un très beau push quand même du côté de Scout.
et c'est à ne pas négliger parce que c'est un Lee Sin qui sur une mid lane, a en plus, c'est beaucoup bien. D'argent. Oui, en plus sur une mid lane, ça peut faciliter la prise du tour derrière. On est présent sur cette Herald puisqu'on est un timing back sur Nuguri. On a été obligé de cancel, mais ça veut dire qu'on va pas forcément jouer sur un timing fort. Scout et Tietier qui sont présents sur cette Herald, et WX qui n'a pas fait le décalage. La Karma, elle, est au rendez-vous, puisque c'est un Ezreal, donc il peut rester tout seul, et c'est un premier Herald qu'on va récupérer à 10 minutes de jeu. Sur cette mid lane qui est déjà quasiment tombée, il y a un joli push à mettre en place. Ouais, mid ou bot même, hein, puisque tu veux donner un maximum, peut-être la first brick et toutes les plates à un Ezreal qui est en train d'outfarm et qui doit absolument rester devant dans ses early mid game face à un Aphelios, hein, qui est une menace absolue du late game. Et attention, le Red Trinket qui donne l'information à Dwenby. Attention à Scout, c'est dommage. Là-dessus, peut-être le disengage avec le Dashward qui est plutôt bon. Il sera cover, bien sûr, par Tietier. Mais par contre, il faut concéder un maximum. J'ai peur, ce raid en plus, Nox. La jungle vraiment pillée hein, par les FPX. Ouais, on va récupérer un maximum de choses. Mais Coquet toujours là, essayer de trouver. Oh, la rage du dragon, elle est parfaite. On réceptionne du côté de Tietier. On a perdu le flash du côté de Dwenby. C'est quasiment un mid-life qui a été mis. Donc, ça reste une opération qui est correct, même si on a utilisé des gros CD, ça reste des CD qui reviennent assez vite parce qu'il n'est pas le cas d'un flash. Ça c'est sûr. Et attention parce qu'il y a un timing Drake hein, qui arrive dans 10 secondes. Donc on a pris le carapateur décalage sur la botlane d'Edward Gaming. Viper qui va évidemment jamais se faire toucher sur un Q-spell. L'ATP pour la contestation, apparemment, c'est l'arrivée de Nuguri qui veut absolument faire un place peut-être avec son méga. Attention, Crisp qui all-in Viper qui est forcé à cleanse. Est-ce qu'on peut se reposer le flash qui a été utilisé? On va toucher le stun, le cœur brisé directement. Viper qui maintenant ne pourra pas s'en sortir. Oui. Et Meiko qui va suivre. Nuguri s'en sortira. Oh, il reste très peu de HP. C'était Pixel, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. On est un petit peu trop tôt encore. On a la Trinité qui est arrivée dans les poches de ce Ezreal. Et ce push mid, il est bien parce qu'on peut l'envoyer sur une T2. Je ne sais pas si la T2 tombera, ça m'étonnerait quand même. Non, mais ça va bien tabasse. Mais ça va tabasse, tu l'as bien dit. Ouais, clairement, puisqu'on sait qu'on concède évidemment le dive bot et on va concéder le Drake. Donc dans ce cas-là, la réponse Edward Gaming qui est la meilleure possible, sans prendre de risque. Eh bien, tu vois, la T2 qui tombe, on l'a bien accompagné. Le hit qui devrait pas se faire quoique l'observateur. Non, ça sera défendu par Gnar, j'imagine. Pas de hit T3. T1, T2, c'est plutôt pas mal. Et Flandre qui va prendre un maximum de plate sur le topside. On va glisser d'ailleurs, normalement, le reset qui a été fait par le Lee Sin. On va voir le replay sur cette arrivée. Nuguri qui a un méga Gnar un petit peu tardif, mais il sait qu'il pourra dive en fait directement sur Meiko dans un second temps. On a tout mis sur Viper. Viper qui a essayé de se replacer et derrière le deuxième kill, Nuguri qui sort comme un prince. Le dernier coup de tourelle, kill de fallait pas, il le prend pas. Et merci messieurs, mesdames. Derrière on se projette sur le Drake. Bon, heureusement Edward Gaming a répondu avec la prise de toute la mid lane. Ils ouvrent la faille complètement. Ouais, c'est ça, on a un joli push aussi sur bot side. Oh, ça commence à tabasser le barrage terriblement qui ne va pas toucher. Mais pardon, les tirs mystiques. Ah, t'es en balance parce que soit tu vas à gauche mais t'as le barrage terriblement, et si tu vas à droite tu te prends le Q. Oh là, le dive peut-être Nuguri dans ses œuvres avec un méga Gnar qui peut faire très très mal, mais Flandre pour l'instant le sustain, la capacité à récupérer de beaucoup de fureur sous Dominus. Et ça sera une tour à récupérer. Nouvelle tour qui tombe. Bon, on a un léger lead. 3 tours à 0 quand même, hein, Nox. Quoi? 3 tours à 0 pour EDG, oui, donc ça c'est une bonne news. Non, 2. Ah si, la tour 2, la T2 est tombée. Oui, puisque c'est T1, T2 plus T1 bot. Pas mal ça, pas mal. Et on ouvre beaucoup hein, autour du Drake, hein, la capacité à se projeter. Oh, il y a une TP dans le bac. Il y a une TP dans le bac. Et le kick est déjà fait peut-être avec Scott qui va arriver. Il a une rage du dragon, on le sait, sur Tian peut-être. Essayer de temporiser parce que Tian, il a fait son ultimate. Il a Diana qui va ulti également. Tian, l'arrivée, rage du dragon. Oh, l'onde sonore qui n'a pas touché Scott, please, là-dessus. Et il va abandonner là-dessus alors que c'était sûrement un kill si ça touchait. Okay. L'initiative est bonne, la réalisation un petit peu moins. Un petit peu moins, ouais. Ah, on deny la salade à Tian. Si tu veux, Regen, retourne à ta base. C'est le mot qui a été passé ici. Bon, il y a toujours quand même deux dragons à l'avantage des FPX. Dwenby qui se retrouve à push en side, mais draft, quand tu drafts une IA, c'est pas vraiment pour l'envoyer push en side. Ça push pas très bien. Il a réussi à récupérer la plate quand même. Donc, c'est correct, mais c'est pas insane. Il a sa TP, il peut juste, comme tu l'as dit, avec son spell, push assez vite, simplement pour écraser les waves. Mais bon, c'est compliqué de récupérer la ressource primordiale, qui est la tourelle.
Ah, il faut jouer autour de ça, la possibilité d'aller voir très très deep pour, on l'a vu, un flank possible de la part de Scout avec cette rage du dragon. Hein, c'est lui qui a l'initiative, peut-être essayer avec Flandré dans un Dominus d'aller chercher. En fait, rage du dragon into ulti tiétié pour simplement enchaîner et permettre à Viper d'être un électron libre avec cette karma. Le push est assuré à chaque fois, c'est pour ça que ça a été remis en place d'ailleurs par Flandré. Mais attention, tu l'as vu tout à l'heure, un peu overextend. Ah, attention en 2v1, est-ce qu'il peut vraiment reculer? Il a pas son flash, mais ça devrait aller. Quoique, il faut pas tomber trop bas, hein, parce que Tian, il peut y aller. Il y aura pas de méga, il le sait. Donc pas de possibilité vraiment de dive en 2v1. Et Scout qui va récupérer encore de la ressource. Nox, c'est 4 tourelles à 0. Hein, pour les... Ouais, c'est sur Scout toujours. C'est un Lee Sin qui a beaucoup d'avance. Il a les coques en acier. Il a son éviscérateur et le WX qui est obligé de reculer loin, hein, s'il veut ne pas récupérer son... Enfin, qui veut justement récupérer son... Son farm sans être inquiété. Prochain herald dans moins d'une minute et on push sur la T2. Incroyable. Où sont les FPX à la défense de leur bâtiment? Ils n'ont pas l'habitude d'être en défense et de turtle les T2 en fait à ce moment-là des games. 15 minutes de jeu, on a quasiment pris toutes les tourelles extérieures côté EDG alors qu'on récupère simplement la first brick, enfin la première tourelle pour FPX. C'est hallucinant la vitesse à laquelle EDG a réussi à prendre des ressources d'avance finalement, mais attention parce qu'il faut quand même pouvoir rentabiliser. Ouais. Après, ce Ezreal est en avance, c'est la Triforce qui a été récupérée et depuis non EDG Sunderer. Ouais. Ouais, on adapte le stuff. Ouais, le Sunderer est viable dans certaines situations, mais quand t'as beaucoup de squishy, c'est un peu plus intéressant de faire la Trinité. Là, il y a un marteau sur les fight long. Ouais, il y a un marteau de profil, donc je crois que c'est le Sunderer qui suit après dans ce build, mais il faudra que je vérifie parce que j'ai un doute. Et Nuguru qui est tout seul qui va se faire catch. Alors attention parce qu'on joue sur le bot side de cartes. Mais il va tomber avant. Ah non, ouais. Il va pas tomber avant, mais ça ne va pas changer. Ça change rien. Il y a un dragon. On va préférer laisser tomber ce premier Herald du côté des EDG et prendre un dragon, s'offrir un petit peu plus de temps dans cette game. Ouais, il leur faut des Drakes hein, parce que 2 à 0, là, il faut absolument temporiser. Sinon, ça serait déjà trop dur. Même si pour l'instant, ils ont une bot lane et surtout un AD qui conteste un petit peu mieux. Mais compliqué, il faut qu'il soit à l'initiation, hein, sinon ça fait très mal. Ouais, ils vont prendre la dernière T2 là. Hey, il n'y a que Crisp à la défense. Hein. Ils sont. Non, mais jamais ils défendent ça à 4. Ils se ramassent sur la défense de leur bâtiment. Ils se font mener de bout en bout sur la map. Tant qu'ils ont la base. La téléportation dans le dos, mais du coup, du côté de EDG, on reste groupé. Il y a 2 TP. 2 TP. Tiens, il fait le décalage. Il n'y a pas de méga. Le petit peut-être de Dunby qui prend beaucoup de dégâts. On va temporiser avec le Zonia. Arrivé directement. Oh, la traction lunaire, elle est bien. On peut Flandré. Énormément de dégâts. On a déjà pris la Lily, on a déjà pris le Brom et le WX. C'est seul à la défense. Nuguri ne parviendra pas à s'en sortir. C'est un ace. Ils vont le faire. Oui, le clean ace. Oh là 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 là. Double kill pour Scout et cette capacité. Alors que c'était eux qui étaient en train de se faire un petit peu flank avec la double TP répondue avec la TP de Flandré. Et derrière, c'est un Drake récupéré. Celui-là, il est quand même assez important pour essayer de deny la tempo sur sur la Soul. Capacité à aller prendre la T3. Et voilà le premier gros fight. Prendre FPX comme ça, avec la capacité finalement de leur répondre avec du flanking. On aura évidemment le replay. Mais les dégâts, ils étaient monstrueux là-dessus, Nox. Hein. Parce qu'en fait, finalement, Dwayne B n'a pas fait trop de dégâts avec sa Lilia. Et derrière, on a su se retourner. On va revoir au début, ils arrivent avec double TP. Mais il n'y a pas d'ulti, enfin de méga gnar pour Nuguri. Regardez ça, ça touche pas. Dwayne B, il sait pas trop quoi faire. Il flash in, il se met un petit peu à outpause. L'exhaust, et regardez comment il se place bien. Viper peut zoner. L'ultimate masterclass du côté de Tietje. L'attraction lunaire into Dominus qui fait assez de dégâts. Et derrière, on tique tout le monde. Pas de Nuguri, pas d'LWX qui peut pas vraiment jouer. Avec la rage du dragon et Scout qui fait un doublé. Et ça, c'est une phase de jeu qui fait tellement du bien au moral côté Edward Gaming. C'est totalement relancé, ma chère Nox. Avantage en kill, capacité à se projeter maintenant. Ils ont pris ce premier dragon des océans en plus. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que le POC, ça POC pas beaucoup une Ilia, mais la balle, elle peut vraiment poser souci de temps en temps. Ça met la pression donc, quand tu es sous la menace de la berceuse, quoi. Enfin, de l'ultimate. Et le héros de la fac avait été posé. Mais qui a même pas tapé en fait. Je crois pas qu'il a tapé. Non, WX a pris énormément de dégâts, ça a fait proc. Le shield Dwayne B qui va tenter le move, pas du tout, c'est pas suffisant. La 12 versus quand même sur deux joueurs, c'est pas si mal. Oh, Tian qui va récupérer un kill, ça force le flash. Scout qui va ligne derrière, le cœur brisé out, on réengage. Est-ce qu'on peut trouver une rage du dragon? Oh oui, la plante explosive qui est récupérée. Tietje qui suit, c'est à nouveau deux kills pour un kill sur un support en contrepartie. Il faut aller bot, prendre l'inhibiteur peut-être qui est open. Après, c'est pas push pour l'instant pour les Edward Gaming, ils osent pas vraiment y aller parce qu'ils ont peur
de se faire un petit peu catch-up. Le Lee Sin qui est obligé de repartir d'assez loin, de laisser sa bot lane push sur la middle lane. Le reset tout de suite de la part de Tietje. Ah, c'est pas mal parce qu'encore une fois, ça part d'une possibilité d'aller détruire Dwenby avant même qu'il fasse quelque chose dans le fight. Et pour l'instant, Liliamid, c'est pas encore ça. On va revoir. Elle a TP, regarde ça, d'Edward Gaming. Oh, mais regarde-moi la précision de Viper et de Meiko sur ce move. Il met LWX out du fight tout de suite. Mais parce qu'il est jamais bien positionné, c'est terrible. Vraiment, LWX, il est transparent sur ce second spin. Il a pas le droit d'être ici. Et ça se vérifie encore sur ce BO. Tout à l'heure, il se fait catch aussi de manière absolument indécente. Et c'est là, tu vois la force de Lee Sin. Et là, regarde, scout, hors de la plante. Il prend la plante pour emmener Tian avec lui. Tietje Link derrière. C'est incroyable, c'est parfait. Ouais, le pic Lee Sin tellement polyvalent, il n'y a que ça hein, pour aller réussir à suivre un Viego quasiment et lui dire nope, tu vas même pas pouvoir t'enfuir avec ton pic assez strong Tian. Et c'est bien parce que là moralement EDG qui répond vraiment du tac au tac et ça permet. Oh, il y a eu un kill de paix de l'autre côté de là. Oh, mais LWX, mais oh pardon, hein, faut que j'arrête. Mais il est en hit mode là parce que pour l'instant c'est en train de se faire récupérer. Il y a Nuguri tout seul dans ses œufs, peut-être avec un méga Gnar qui ne suffira absolument pas. L'ulti de la part de la Diana, il va temporiser un maximum de temps, mais c'est-à-dire pas beaucoup. Alors que au mid, oh, c'est très très lourd côté Dwenby. Encore une fois, Scout qui va peut-être y aller. Il y a beaucoup de dégâts qui sont faits. Meiko qui peut évidemment burst un petit peu avec son pick. Et là, c'est une possibilité pour Viper pour clean ce fight peut-être. Un premier kill, un deuxième double kill pour Viper. Et derrière, ça va se projeter directement sur le Nashor. Pour Edward Gaming, on est en train de se diriger clairement vers un 1 partout. Ils perdent leur jeu, les FPX là-dessus, oh Nox, là non là, C'est propre. Et du coup, c'est un baron Nashor. Et une nouvelle fois, Meiko meurt certes, mais c'est si worse. C'est si worse. Je vais te perdre bientôt là. C'est pour ça. Je vais essayer de calibrer un petit peu parce que là, on va la perdre. Mm. On sait que tout à l'heure, on t'a vu partir sur ce fight qui était monstrueux. Faire un clean ace face à FPX, c'est déjà en soi assez monstrueux. Ah. Et ça pourrait nous rendre un banger total. Hein. Ce BO pour l'instant qui est assez incroyable. Ah voilà, alors ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, ça touche pas sur l'artère et bon. Il a rien à faire là. Non, il peut pas être solo. Il a rien à faire là. Il se fait lock 10 000 fois par Meiko. C'est incroyable. On va revoir le move, la douce berceuse sur Meiko, l'attraction lunaire qui n'est pas présente. Le pic qui sert à rien. Ouais. On a du boost côté Meiko. Regarde, on peut zoner le fight. Viper, il reste loin. Et cette capacité pour lui d'être ultra safe et de regarde d'aller quasiment au cac. Parce qu'il le sait là, qu'il ne sera pas ciblé. Et derrière, c'est un double kill. Absolument gratos et il perd même pas la moitié de sa vie en fait dans le fight. Viper qui est sur orbite maintenant, on l'avait vu. Il a out farm maintenant, il a out kill complet. C'est insane. Il faut pas perdre son jeu maintenant pour EDG, ne pas faire d'erreur, laisser LWX complètement se perdre un petit peu sur la map. Toujours. Oh, ça touche, il a été. Il faut prendre l'information avec les wards, c'est bien du côté de Meiko. Viper qui va continuer. Ouh là là, l'arc carrément le E qui a été placé. Oh, la finalement. Rage du dragon, c'est sur Chris, donc c'est pas forcément la meilleure cible à téléportation instantanément. On flash out du côté du bro, mais le flank kick de Tietje. L'attraction lunaire qui permet d'offrir un double kill à Flandre. Tian dans son 1v1 Viper qui explose ce Viego. Et il ne reste une nouvelle fois que la Lilia qui ne pourra rien trouver. Le flash à travers le mur. Mais oh, ça touche côté de Scout. Pourquoi tu flash face à un Lee Sin? La masterclass Scout qui est complètement dans sa game pour l'instant et on en avait besoin côté EDG. Oh, capable de se rassurer avec ses solo laners. 6-2 pour Flandre qui était en délicatesse, on l'a vu au tout début de la game. Et c'est quasiment game là-dessus, Nox. On va aller push au moins les inhibiteurs. Est-ce qu'on a le timing? Oui, de défendre a priori. Il y aura la décarry qui arrive. Tian qui est là aussi. C'est pas une fin de game. On va prendre deux sides avec double inhibiteur. Deux inhibiteurs, et il faut reset maintenant. Garder le baron powerplay à plus de 4000. On va revoir, mais c'est trop bien joué dans les fights prolongés pour l'instant. Quand les FPX sont pas à l'initiation et très vite sur un pick-up, ça fait mal. Et Tietje, qu'est-ce qui nous régale quand même. Du coup, c'est un dragon qu'on va récupérer. Ça va faire deux dragons partout. C'est un dragon des océans en plus. Donc c'est probablement le dragon le plus fort. C'est l'âme la plus forte en tout cas, même si elle n'a pas été récupérée pour l'instant. Celui-ci sera sécurisé. Deux inhibiteurs de prix, timing back avec ce baron Nashor en plus, qui est là pour une quarantaine de secondes. Hein, donc c'est pas énorme. On va pouvoir au moins réavancer les lanes. Allez, regardez-moi ça. Et pourquoi on vous dit que c'est des teamfights de fous furieux? Quel BO entre le premier et le deuxième. Et pour l'instant, les FPX sont en train de craquer Nox dans cette game 2. Le flanking de Tietje, il a vraiment une fenêtre monstrueuse. Les dégâts, le burst. Et le fight est gagné quasiment sur ça. Viper qui peut se permettre de survivre. Masterclass de Viper. Un Viego, ouais. Et derrière, Dwenby, regarde qui est lock. Et pourquoi tu flashes de toute façon quand tu... Il veut peut-être essayer d'être loin, mais t'es suivi par Scout. Scout, c'est pas un fou. Hein. Il est là.
Et il répond très très bien avec son Lee Sin. Et regarde. Tout à l'heure dans le chat, il y en a qui se demandaient pourquoi si la Lilia n'a plus de flash, c'est grave. C'est parce qu'elle n'a aucune autre porte de sortie. Alors que le Lee Sin là, sans flash, peut aller la chercher. Ah, tu peux galoper hein, une fois que t'es touché par le long sonore. C'est ça. Donc voilà pourquoi le flash sur la Lilia est important. Scout qui chasse, tient dans sa propre jungle. La téléportation, c'est un peu abusé ça par contre. Tian paumé, qui attention. Bloque la retraite et du coup Tian qui va être coincé. Oh, il tempo bien avec le sustain, hein. Red Smite en plus. Il tempo très très bien, ouais. Meiko est là, on va pouvoir protéger. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le kill sur le crocodile? Pas du tout, Viper était là. Et même s'il offre le kill à son midlaner, il a sérieusement des PS ce Ezreal. On a un peu craqué, on a un peu craqué côté FPX, 22 à 9. Et pour l'instant c'est une très très grosse game en réponse. On attendait la réponse, elle est forte. Côté Edward Gaming qui est en train de montrer qu'ils sont capables d'aller chercher le 1 partout. Et surtout le 2-1 éventuel pour aller chercher leur première place. Cette équipe qui pour l'instant montre énormément sur le summer et qui veut contester peut-être le titre de champion récupéré par les RNG, qui aura fort à faire quand on voit les FPX et les EDG. Il y aura de quoi faire et ça fait plaisir parce qu'on a un top 3 tellement fort. Donc, attention, justement on se projette tous sur le top side pour aller chercher la T3 ça pendant que regarde, et tu vois plus, la Lilia elle est obligée de s'approcher pour des push, mais elle peut pas du tout avec ce Ezreal, avec cette Karma, c'est impossible pour elle. Et sauf que hormis elle, ils ont que LWX en force de dépush et malheureusement il trouve absolument pas sa place. On va tenter de défendre cette inhibiteur. Il faut cette inhibiteur. Est-ce qu'on peut prendre un fight? On est on a plus aucune défense à part cette T4. Ouais. Là ça va harceler hein. Ça va harceler le Viper qui est là pour faire le taf, le MVP du Spring Split, Viper monstrueux, la D carry et des EDG qui nous impressionne toujours hein, de toute façon, qui est là dans les moments importants et on espère évidemment qu'il sera là pour les championnats du monde. Et attention, hein, parce que est-ce qu'on voit un setup où les FPX peuvent défendre là-dessus? Nox peut-être a une initiative monstrueuse avec Dwingby, une berceuse sur tout le monde. Ça paraît peu probable, peut-être il va falloir essayer de se révolter. Trois inhib down, peut-être maintenant avec un catch. Flandre qui survit et Nuguri qui se fait avoir ici. On est midlife, mais on a bientôt le Mega Gnar. Il va falloir temporiser ce timing pour les EDG. On est quasiment out du côté de LWX une nouvelle fois. Le harcèlement de Viper, regarde ça, on perd. Dwingby, ouais. La stopwatch pour temporiser. Flandre toujours en vie, Flandre qui joue avec les limites. Il a la téléportation Nuguri, bientôt méga, disponible. Faut le calmer. Voilà, il va reculer avec son méga capacité, l'arc térébrant pour faire reculer tout le monde. Et ça devient oppressant hein, ce que fait EDG, la capacité de burst et de reculer à chaque fois. Regarde ça, Nox, ils peinent pas trop de risques. Ils doivent attendre l'arrivée de leur top laner qui a une TP Flandre qui va tenir en fait les creeps directement à la T4. C'est parfaitement joué avec un méga. Est-ce qu'on peut essayer de se tenir là-dessus? Il y a Dwayne B qui va peut-être même tomber. Attention, ça y est, c'est fait. Il y a plus Lilia, LWX est out et on pilote ces FPX qui sont coincés dans la base. La T4 va s'effondrer. On all-in directement sur Tian qui est forcé de cœur brisé. Ah, et le Nexus qui s'effondre. Tapez ce Nexus. Égalisé. T'inquiète, il y a trop de creep. Il y a trop de creep. Allez-y. Je vais vous rire. Yeah. Ah là 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 là. Il y a notre Nox qui est parti évidemment en freestyle. Ça y est, la victoire, l'égalisation un partout avec une très très grosse game proposée par Edward Gaming. Les creeps étaient en train de s'exploser sur le Nexus. Et, il pas de Nexus. Et c'est rare Nox de voir une équipe comme FPX subir à ce point-là et être dans sa base, tout simplement dans sa fontaine, oppressée de A à Z par Viper. C'était incroyable parce qu'ils jouent à la fois en avançant, en mettant un peu du poke et ensuite ils reculent bien. Ils ont attendu, ils ont les trois inhibs. Ils respectaient sous les T4. Flandre après assez cher, ils attendent le back TP. Tout était parfait, pixel pour avoir le timing. On finit maintenant, ils ont eu raison. Ah, quel BO, on vous l'a dit, ce BO il est monstrueux. Vous n'avez pas le droit de rater la troisième game. On l'a et ça fait plaisir. J'imagine pour toi en priorité. Finalement... Ah, c'était incroyable de te voir sur cette game-là et regarder cette courbe, les EDG qui ont explosé FPX. Oui, on ne blague pas, ils ont explosé FPX. C'est incroyable, ça veut dire que la troisième game... Clairement. Alors certes, c'est une game qui est un tout petit peu plus longue que la précédente, mais il faut savoir que les EDG entraient dans la base FPX à 23 minutes de jeu, soit 2 minutes plus tôt que les FPX sur la game d'avant. Mais on met un petit peu plus de temps à terminer, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'est un VO qui tient ses promesses. Cette game 2, absolument insane. Insane, Viper 36 000 de dégâts et LWX il fait quasiment autant de dégâts que son support. Ouais, mais il a pas pu trop jouer, même si
encore une fois, au début de la game, ça faisait peur hein, parce qu'il y avait eu des capacités à prendre les kills du côté de Nuguri, Tian. Il y avait cette vraiment dominance et Dwenby était là vraiment pour asphyxier un petit peu la mid lane et décaler. On l'a vu, pression dans la jungle, ça n'a pas suffi. Masterclass. Alors Viper, vu ses damage, vu son KDA, je pense, prendra le MVP. Mais quel taf de la part de Tietje qui a trouvé les flancs, qui a trouvé avec sa Diana la capacité de se projeter à partir du moment où il a son Zhonya, il fait assez de dégâts, Flandré dans une deuxième lame. Et derrière, Viper, il est free, tu l'as dit, ouais, DPS, électron Viper, libre. Il fait une game, il s'amuse dans cette game-là. Scandaleuse. Ouais. Il fait une game scandaleuse. Mais Tietje aussi, hein. Tietje sur sa Diana, là, on l'a beaucoup moins cancel que sur la game d'avant. Et donc, forcément, il s'exprime beaucoup plus. Et puis, bah, le Lee Sin de Scout. Scout, 100% de winrate sur son Lee Sin. Toujours. C'est sa septième game de mémoire et il a 100% de win rate dessus. Je vais aller vérifier histoire de ne pas vous dire des bêtises, mais normalement c'est la stat. Ouais, mais ça m'étonnerait pas. Scout qui est on point. 7 game, 100% de win rate. Alors le KDA n'est pas à jour, mais il était à 10,7, quasiment 11. Là, je me souviens plus exactement, mais je crois pas qu'il soit vraiment mort. Il avait Snowball mort. Aussi, peu. En tout cas, il a au moins une mort, je peut-être crois. Peut-être une, il mais avait c'est une ou deux morts. Peut-être. Ouais. Et donc, du coup, au moins 6 kills, puisqu'à un moment donné, j'ai vu 5 et 6 pour les 3 carries, c'est-à-dire, enfin, Flandré qui est pas vraiment un carry, mais qui avait récupéré pas mal de kills, mais surtout Lee Sin et, bon, évidemment, Viper en priorité. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Après, bon. Dans le chat, évidemment, quand ils disent on est un petit peu pas tout à fait objectif. Hein. Forcément, on a, ah, y a un moment, on a une représentatrice. Cast, hein. On est là pour vivre de l'esport tous ensemble. Donc, mais voilà. On adore les FPX aussi. Hein, de c'est vrai, façon. En plus, oui, c'est vrai. Mais voilà, j'avoue que mon cœur penche pour eux. Forcément, mais sensiblement. C'est bien d'avoir cette hype, forcément. Très rapidement, avant de partir en pause, mon cher Frost, qui c'est qu'on met en MVP sur cette game? Viper, Scout, ouais. Tietje. Ça comme pourrait... je t'ai dit, je pense que ça sera Viper à cause des stats, mais j'aurais bien mis du Tietje en vrai qui a fait un gros taf. Scout aussi en vrai, il a fait un taf de ouf. Je pense que ça sera Viper pour les stats côté prod LPL, mais bon, en vrai les trois méritent. Ouais. Flandré a été, enfin en vrai toute la team a été insane. Il fait une... Après... Franchement le first blood. Oui. Je suis désolé pour hyper toute possibilité d'obtenir MVP sur ce move. J'aurais mis Tietje pour les grosses initiations. Après, ouais. Je pense que ça sera Viper. Mais, ouais, peut-être. Ok, ça me va. Quoi qu'il en soit, on va se laisser pour une très courte pause et on reviendra pour cette balle de match. Ça va être incroyable. La dernière game de la saison régulière entre les deux premiers hein, pour le match final. C'est incroyable. Clairement. Quoi qu'il en soit, ne bougez pas et on revient pour la suite. À tout de suite. Allez, de retour tout le monde pour la suite et la fin peut-être de ce BO banger qui voit finalement les FPX et les EDG à égalité un partout. Je suis rejoint par Aureus pour clore les débats avec un festival, on l'espère. Vous êtes là avec nous, vous êtes au bon endroit sur OGaming pour finalement suivre la dernière game de la saison régulière du Summer 2021 et ensuite on se projettera sur autre chose, les playoffs, mais pour l'instant on a encore une game à vivre. Et quelle game, Aureus, puisque c'est tout simplement la last game pour savoir qui sera premier du Summer en saison régulière. J'avais dit hein, que ce BO il serait joué en 3 games, ça se vérifie ici. Nox a explosé. Du coup, forcément, on va peut-être la perdre sur la dernière game. Ouais, on essaie. Est-ce qu'il y a moyen de setup peut-être une caméra en régie pour voir ses réactions et tout? On est en train de voir ça, mais ouais, effectivement, Nox était on fire dans la game, c'est très sympa. Et du coup, je viens pour la remplacer. Mais le BO, ne vous inquiétez pas, aura quand même toute sa hype. Bien sûr, on joue pour un seed 1. L'équipe qui gagne remporte la saison régulière. Attends, qu'est-ce que nous de LPL. Nuguri out. Oh, il met Xiao Laou, let's go, Xiao Laou, le petit rookie qui vient de Fun Plus Blaze, merci Nascat pour le relais d'information. Nuguri qui est mis sur le côté, il était sur Gnar, voilà, dans la game précédente, il y a eu un petit peu du mal à s'exprimer, mais je pense pas que ce soit réellement de sa faute, on va y revenir. En tout cas, voilà, le MVP qui arrive et ce sera Tietje avec sa Diana, largement mérité, 9e MVP pour le jungler des Dord Gaming. Ouais, beaucoup d'MVP pour ce jungler, assez agressif, capable de bien gérer et de faire les mouvements clutch, on l'a vu. À l'initiative, on aura sûrement les highlights et masterclass où il touche à chaque fois plusieurs joueurs. Et avec très bonne ambiance un petit peu là. Et on s'ambiance pour la dernière game, j'espère que vous êtes chaud avec la première grosse nouvelle qui est tombée. Eh bien c'est Nuguri qui est out pour la dernière game du BO. Nuguri peut-être, je sais pas, il y a eu un petit truc avec... ah là 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 là, c'est le moment, on a cru que ça allait se compliquer pour les Dord Gaming. Et vous allez surveiller l'arrivée, alors à la fois à la TP, et regardez, eh bien il y aura une capacité de Rogoin du côté de Tietje, beaucoup de dégâts, plus Flandré. Et derrière ça fait toute la différence.
Il y a eu plusieurs fois et les FPX qui ont réussi à se faire clean ace, mon cher Aureus. On voit pas ça souvent. En même temps, c'était The BO et pour l'instant, ça fait mal. Ça va être fou. Xiao Lao contre Flandre. C'est pas n'importe quel 1v1 sur la top lane. Alors, Xiao Lao, on l'avait déjà vu. Il avait joué Renekton et Jayce. Il avait été très bon sur les deux champions d'ailleurs. Il avait même bien carré la top lane. Hein, souvenez-vous, c'était juste après le BO contre BLG que FunPlus avait perdu. Nuguri avait pas été très bien au niveau de la top lane contre BioBio. Donc voilà, on l'avait sorti sur le BO d'après. C'était Xiao Lao qui était rentré jeune joueur, il est rentré chez FunPlus Blaze fin 2020 en décembre et ensuite forcément à partir de juillet au rôle de sub de Nuguri, parce que Nuguri parfois très bon, souvent très bon même hein, disons-le, mais parfois il est un petit peu en dessous et là on décide dans ce moment de faire confiance à Xiao Lao sur la top lane dans ce BO pour le seed 1. Crucial, hein. C'est quelque chose. Après c'est pas grave, il y a pas d'histoire d'élimination, non, bien sûr. Pas dans les playoffs. Son premier ou deuxième quoi qu'il arrive, voilà. Il y a le loser bracket donc. Mais il y a un petit truc à aller chercher mentalement. Pour la fierté, tu vas dire on a battu EDG, on va le refaire en playoff derrière. C'est quelque chose de qui est aussi important pour les joueurs. Du coup voilà, petit changement, petite adaptation. Merci pour le relais d'information les modérateurs, vous gérez toujours autant. Et j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va nous sortir autre chose, est-ce qu'il va repartir sur Jayce ou sur Renekton. Il y a pas mal de questions qui se posent. Il avait pas un gros KDA parce que quand il est rentré, il a tout détruit, je crois. Je vais vérifier ses KDA. Et c'était les stats qui m'avaient impressionné quand j'avais fait le Bagarre Club pour les statistiques des laners. Et il est à 100% en fait sur ce qu'il a joué. Donc il a joué contre LGD. Ils sont pas le plus gros top laner de la ligue. C'est pas V5 non plus, comme tu le dis. Donc voilà. C'est vrai que ça veut pas dire grand chose parce qu'entre jouer LGD et jouer EDG. Il y a un petit gap. Il y en a un qui est en playoff et l'autre qui est au runcade des playoffs et l'autre qui n'est pas en playoff du tout. Quoi. Donc forcément, c'est différent. Je pensais que ce pas trop grave d'être deuxième parce que je crois que si on regarde les playoffs, tu sais, ils ont le bas de tableau seed 2. Alors on en parlait dans le chat. Moins chaud que le haut du tableau. On en parlait dans le chat. Je ne suis pas sûr que les deux équipes veulent face BLG. Dès le début, tu vois. Parce que c'est le côté BLG-RA, je crois. BLG-RA et TES et RNG. TES-RNG ou BLG-RA, je crois pas qu'il y ait de bonne solution finalement pour les équipes. Trop, BLG est très très chaud. TES, ça remonte. RNG, bien sûr, ils sont on fire. Et les Raratom, ils surprennent. Et parfois, ils ont un jeu qui est un petit peu plus dur à lire. Et vous le voyez, il est là, chez Olaou. Forcément, il va être on fire pour cette game. Pas de changement side. Une troisième fois, les FPX vont être side. Le first pick de Jayce directement pour les Edward Gaming qui ont ban le Aphelios de AWX, la Irelia de Doonby, on a Van Lagoen également. Et côté FunPlusX, ça focus ardemment les jungles. Pas de Xin, pas de Olaf, pas de Diane. Ouais, on voulait absolument pas de first pick fort. Et possibilité pour Tietje, le Jayce qui a été instantanément verrouillé. Ça sera une réponse à coup de Viego, j'imagine. Viego laissé open. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi du côté des FPX Doonby qui garde des fois son pick. Qu'est-ce qu'on prend tout de suite alors? On abanne le Aphelios, Thresh est laissé open à chaque fois les possibilités pour le bot side. Est-ce qu'on prend tout de suite quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on prend... Alors, on laisse la flexibilité du Viego entre la jungle peut-être et la mid lane, on l'a vu. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu le début depuis la pause, Nuguri a été mis sur le banc et c'est Xiao Lao, le jeune joueur des FunPlus Blaze qui est depuis l'intersplit chez FunPlus Phoenix, donc l'équipe numéro 1 qui le remplace sur la troisième game. Et la draft qui continue, par contre on aura un Wukong pour la top lane, un problème pour Xiao Lao. C'est répondu par un Lee Sin, par un Twisted Fate du côté des Edward Gaming. On a un trio top side quand même assez agressif d'ailleurs des deux côtés avec le Sylas de Doonby. Oh, on n'a pas ban, c'est vrai, la destinée, la destinée qui mais peut oui, être volée. Instantanément on va faire une réponse à coup de Sylas sur le TF de Scout et Tietje qui a plus grand chose. Alors le Lee Sin sera pas pour Scout mais pour Tietje. Normalement c'est même sûr hein, puisque les deux solo lanes ont été un petit peu verrouillées. Sylas en réponse, ça fait un peu peur. Doonby sur Sylas, je vous raconte pas. Sylas, Viego avec une capacité pour Xiao Lao normalement de se projeter sur ce Wukong et ça sera à lui de prouver avec un flank de fou furieux. Ban de Ziggs pour empêcher la priorité bien un sûr. Peu hors limite du côté des EDG. Ça sera évidemment ban de Leona, ban de Ezreal puisque Viper est un peu trop électron libre, un peu trop safe avec. On va le provoquer sur autre chose. Il reste Braum, il reste Nautilus, il reste Rakan, il reste pas mal de choses pour engage du côté de Crisp. On sait qu'il a également une réelle très puissante qui pourrait avoir du sens également dans cette composition. Je pense pas qu'on aille sécuriser du Alistar ou ce genre de champion du côté de la botlane des Edward Gaming pour la simple et bonne raison qu'il y a Sylas et tu ne veux pas lui offrir une volonté de faire.
Donc, peut-être aller chercher d'autres ultimes, peut-être un peu moins game over. C'est pour ça que ça dénaille aussi un petit peu le Nautilus hein, d'un côté. La grenade ASM qui est très bien à récupérer également sur un Sylas. Donc, bon, après, là, il va bien sûr s'orienter de base hein, sur cette destinée qui va lui permettre d'aller rotate. On va jouer Weakside du côté de la botlane des Fun Plus Phoenix. Et tu vois, quelque chose sur lequel j'ai pas pu rebondir dans la game présente, mais on a mis Aphelios sur LWX et il avait un Braum avec lui, mais c'est tout. Un petit peu comme dans le premier BOW qui mettait Elk sur un carry sans réellement de pile. Le Braum c'était un petit peu léger dans la game précédente. Pourquoi ne pas aller chercher en plus contre la compression EDG dans la game précédente? Ça aurait eu du sens. Jouer une Sivir ou ce genre de pick qui est un petit peu plus autonome, qui apporte quand même à l'équipe. H dans la même lignée, ça apporte du contrôle, t'as de l'engage longue distance, ça peut faire le travail. Du coup voilà, voir LWX sur H cette game là, ça me fait plaisir. Ouais, et on va... Oh, on hésite un petit peu, on a même vu le Taric, Alistaric peut-être, éventuellement dans les fights prolongés. Et on serait plutôt en réception quand tu vois ce qu'il y a. Flèche de cristal enchantée, le Braum paraît très très bien. Après c'est une fissure glaciale qui peut être prise aussi par Doenby. Mmh. Et on a quand même du Wukong, on a du Viego, on a envie de rentrer dedans. C'est le playstyle FPX hein, qui est là. Oh. Peut-être justement très peu mobile la hache, peut-être avec un pilar ouais. qui pourrait être intéressant. On hésite le Alors, Trundle par contre, ou le Braum. Pique Kalista dans hache, c'est très osé. Hein. Il y a un seul joueur qui fait ça historiquement à LPL. C'est vrai. C'est Highboy. Bien contre Kalista. C'est Highboy. C'est peut-être la meilleure Kalista. Viper va partir dessus quand même dans cette game. Oh, le Rakan, tu vois, je le mentionnais tout à l'heure, il va être récupéré ici. Alors, encore une fois, on n'a pas trop de piles hein, finalement pour la décarry. Ouais, il est vraiment laissé tout seul dans ce BO, hein, LWX, donc c'est vraiment facile pour lui. La Kalista avec le Braum, botlane qu'on connaît, on aura la lance noire du coup dans les poches de Doenby dès le début de la game. Alors avec qui tu veux te link? Parce que ton jungler, bon, ça a quand même l'air d'être le Viego. Jeter le Rakan peut-être. Le Viego, ça peut être Wukong, sympa, ou... mais le Wukong, ouais. si tu balances le Wukong en fufu en plus, il va chercher un cyclone. Peut y avoir un setup de quelque chose d'assez intéressant avec cette ultime de Kalista pour Doenby. À voir ce qui va être décidé. La fissure glaciale, c'est pas trop mauvais. En plus, ajouté à cela, on peut jouer un peu plus avec le slow de H, etc. Puis là, un petit peu plus le carry. Mais bon, on a quand même une compétition qui va aller de l'avant du côté des Fen+. Ouais, bah de toute façon, hein, les FPX, c'est toujours que vers l'avant. Quasiment, c'est leur gameplay. Destruction massive, prise de ressources. Et ensuite, on empêche l'équipe de revenir. Et on reste devant, on prend l'initiative, la vision, les momentum sur les objectifs neutres. Et ça, c'est plutôt bon. On salue évidemment Zerotic, notre bro, qui est dans le chat pour regarder. Évidemment, ce banger qui va se jouer en 3 games. Capacité à se projeter avec finalement cette hache. La possibilité de récupérer le Viego, de récupérer un Wukong pour l'entrant qui va devoir avoir la lourde tâche de remplacer Nuguri dans ce BO. Et effectivement, c'est pas forcément Nuguri le problème, comme dit dans le chat, mais c'est simplement qu'il y a sûrement un choix fait du côté des FPX, tout simplement. Le fait de pouvoir un petit peu faire des tests maintenant, des gros tests contre EDG. Quel BO, quel game. On s'attendait peut-être à ce Jace du côté de Flandre. On sait que Xiaolaou l'a déjà joué. Gameplay, voilà, et qu'on a envie de le subtiliser. Le Wukong est une bonne réponse historiquement à Jace. Donc, bah si Xiaolaou joue Wukong et que par contre Nuguri le joue moins ou peu, forcément on a peut-être envie de le mettre en avant. En tout cas, ça peut être une des réponses. Il y en a sans doute bien sûr d'autres. En tout cas, ce jeune joueur est dans la cour des grands ici. Dernière game entre les Edward Gaming et les Fun Plus Phoenix. Encore une fois, Edward Gaming Blue Side, Fun Plus Phoenix, Red Side et Cover, bien sûr, pour l'instant des jungles. On ne veut pas laisser trop de liberté à l'équipe en face. Ouais, complètement. Ce qui fait peur, c'est vraiment ce bon counter pick évident hein, de Doenby sur Scout. Les destinées qui pourront être suivies. Et j'ai peur de Doenby, la polyvalence, sa force de frappe dans les teamfights. Alors la lance noire, capacité à sustain. Ouais. C'est ce qu'on nous montre, je pense, en bas à droite de l'écran. La lance noire a été utilisée. J'arrive pas à distinguer. C'est le Wukong. Tiens, on en parlait. Je pense que l'envoyer dans la mêlée pour aller chercher un cyclone après l'utilisation du clone, ça peut vraiment être très très clutch. Donc des possibilités d'engage très sympa pour Fun Plus Phoenix. Alors non seulement on se fait quasiment counter par une hache, on prend Kalista et on donne une lance noire de capacité à go in avec le Wukong. C'est vrai que mi bout à bout, il y a pas mal de choses où tu te dis bon. Approximatif un peu cette draft, mais bon, en tout cas il y a des arguments, on a de la range, on a de la mobilité, on a une draft qui se dessine très early game quand même côté Edward Gaming avec cette Kalista, le TF qui décale, Lee Sin Jace ça reste très early même si bon Jace on sait que ça peut aller chercher beaucoup de dégâts et de puck hein, sur le travail des objectifs en late game. Pour l'instant les deux junglers qui commencent du côté de leur red buff, donc on va avoir un passing un peu diamétralement opposé où le Viego va jouer bot side et le Lee Sin plutôt top side en early.
Ouais. La botlane des FPX qui était un petit peu plus tôt sur la lane, hein. Eux n'ont pas mis de pool puisque leur jungler était sur le top side et derrière c'est la botlane IDG qui a aidé un petit peu au red buff. Donc, bot tout top pour le Lee Sin pour l'instant, alors qu'on a une botlane qui pourrait être intéressante plus tôt dans la partie. Et l'agression sur Viper elle est bonne, hein. Quasiment mid life obligé de sustain et ça va se projeter. Déjà les bons dégâts, mais attention à Chao là-haut. Oh, le niveau 2! Le niveau 2, il l'a vu venir! Il forcera le flash à deux Flandres directement vers Chao là-haut. Une belle pépite qui nous vient de Fun Plus Blaze. Ouais, le pigeon qui est là et ça c'est frustrant pour les junglers puisque la route est complètement vue par ce spell. Et Flandré, attention, qui a été forcé au flash, ça sera un summoner en moins, il s'est replacé évidemment. Chao Lao qui a pris pas mal de dégâts de la part des creeps quand même puisqu'il est en train de finir son agression. Il faudra surveiller parce que c'est un appel à Tian qui arrive, possibilité de décaler, de faire semblant de prendre la vision. Il a pris une boulette, attention hein. Attention parce qu'effectivement il n'est pas allé sur sa jungle bot side. Il va se montrer ici dans la jungle top side de son opposant Inward qui est positionné. Tian il a pris au top. Et hein. Il se doute peut-être du passing de Tietia qui pourrait aller sur son blue buff juste après le gromp. S'il a été mis en tête c'est vers 3-15 et il va attendre, peut-être qu'il va revenir. En tout cas il ne reste pas dans ce bush pour l'instant. Il y a le pollen, oh le pollen. Et il le voit ici, il connaît le positionnement du Lee Sin, il n'a pas été vu Tian. Oh, oui. Et il a un positionnement très sympa pour disputer Scarapater, mais il va plutôt aller sur Scoot au niveau de la mid lane qui n'a pas vu passer Tian là-dessus. Le flash out pour Scoot, très bonne utilisation de son flash, il ne se fera pas rattraper. La gold card pour temporiser un petit peu, et il faut de toute manière que Tian aille clear son bot side. Ouais, mais attention, décalage des bot lane en plus de ça, les bons dégâts, replacement de la part de Crisp, Scout qui continue à se faire avoir, ça va être le first blood du côté de la mid lane alors que ça joue aussi sur le bot side. Meiko qui va prendre tombé, Crisp met l'ignite directement, le flash à tourner sous un cassable là-dessus, le kill pourra être pris sur Crisp du côté de la Kalista LH qui se retrouve toute seule, la purge, c'est un double kill. Meiko ne tombe même pas là-dessus, mais c'est Doonby qui arrive pour rectifier le tir. Scott. Un kill pour le millénaire, c'est du 2 pour 2. Ouais, Scott qui est là avec l'appui de son jungler Tietier qui peut peut-être aller faire quelque chose sur Doonby. Londoner qui va toucher la gold card peut-être, mais il a plus de flash code pour le moment, il va essayer de la caler. C'est un 2v2, mais on a un petit peu peur quand même côté Edward Gaming. Oh, quel début de game! Et c'est parti très vite. Il y a eu des TP hein, pour essayer de contrer un petit peu le bot side. Ouais, celui qui perd un peu, heureusement. Heureusement qu'il prend le first blood, Tian. Bah, c'est lui finalement, parce que là, bah, il est obligé de reset un petit peu, d'aller chercher sa jungle bot side. Et il est dominé en termes de. Viper 2-0, hein, c'est lui qui récupère les ressources là-dessus, Auré, sur le bot side. Tu en as parlé, Viper, avec son pick de Kalista qui doit faire la différence en early mid game. Et on revoit évidemment Scoot très smart, regardez, qui flash parfaitement le pré-shot de la chaîne parce que sinon derrière il y a une rotation de CC qui est assez insane. Malheureusement Scoot qui va partir pas assez loin, flash in de la part de Tian. Il sait que bah, Scoot a plus grand chose et il va se faire avoir alors qu'évidemment attention on revient au bot sur le direct. Le Q-spell qui va passer là-dessus, mais est-ce qu'il peut aller caler un stun sur la hache? Ce sera fait, mais pas de follow-up là-dessus. Ah, il prend son petit 1v1, il peut pendant ce timing d'early game bien sûr avec son support. Qui place le stun, il peut se faire plaisir. Attention par contre la range du côté de Flandre qui travaille au corps, du coup plutôt à distance son opposant direct, hein, Chao Lao un petit peu sous sa tourelle, un petit peu voilà dans la sauce. On a de l'info sur le positionnement de Tian, en tout cas bon tracking du côté de Tietie, hein, qui a ping Tian. Il se doute peut-être qu'il est sur ses Raptors. Et du coup, on aurait peut-être l'appui d'une jungler des Fun Plus Phoenix pour aider justement le rookie de cette équipe, Chao Lao. Je pense qu'ils ont peur de Tietier. Donc le pic de H qui est pas mal aussi à prendre en compte pour le fait qu'il peut tricard totalement la direction à chaque fois de la route de jungle avec ce pigeon. Scott qui va gratter la première plate. Ça sera tranquillement récupéré. C'est une wave canon, donc il n'y aura pas trop de creep de perdu. L'arrivée de Doonby qui devrait rater le canon plus un creep. On devrait avoir les casters. Oh, la boulette qui va toucher, mais attention, est-ce que c'est pas un bait Flandré qui a envie de dive? Non, ça sera finalement le back réalisé de la part de Tian. Il y a un flash, il y a un cyclone hein, sur Chao Lao. Ouais. Ça peut être compliqué. Tietier par contre qui arrive. Ça va être vu par là-bas. Attention, il a son clone, il faut absolument partir de la lane maintenant. Non, il va bait avec son clone long de sonore. Il n'y a pas de TP, c'est compliqué. Il n'y a pas de TP pour venir assister Chao Lao. Tietier qui reste, il a 200 HP. Il a un flash, il a un cyclone. Est-ce qu'il peut réellement bait Tien qui va arriver? Le cyclone qui va être utilisé, la destinée pour Scoot qui va pouvoir rectifier le tir là-dessus. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1, mais Doonby est un petit peu dans la sauce. Quoique, Doonby qui va prendre 2 kills là-dessus, doublé pour le millénaire Defend Plus Phoenix pendant que ça se tape au niveau de la bot lane. Ouais, ça enchaîne, porte de la montagne et ça va calmer un petit peu les ardeurs. Messieurs, dames, que se passe-t-il? Top side, bot side, je crois que c'est les observateurs qui vont commencer à loucher un peu.
capacité à mettre des incrustes puisque ça se passe partout en simultané. On l'a vu, le pigeon partir encore une fois. La destinée qui va être claquée au ré. Forcément, peut-être pour un kill là-dessus. Ah, c'est fou. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ça semble très compliqué pour les Fenplus Phoenix Crisp qui va bien sûr tomber le kill. Sera pour Scoot 5 kills. À 4, on est à 1300 gold d'avance pour les Edward Gaming. Oh, incroyable. Et les fenêtres, elles sont parfaitement exploitées alors qu'il n'y a pas de possibilité pour Dwenby d'utiliser eh bien, une réponse avec son ultimate. Le dive est bon côté Edward Gaming. Enfin, c'est plus trop un dive puisqu'on est allé chercher quasiment au buisson entre T1 et T2. Bien vu, clairement, cette destinée gratuite avec la gold card. Cette Kalista, elle est tellement activée à 3 kills à 0. C'est fou. C'est fou. Et la 3-0 pour Dwenby quand même. Hein, avec cette masterclass, on va revoir peut-être sur... Non, ça sera la mid lane. Ils volent la destinée. Voilà, on va revoir sur le top 7 ce qui s'est passé. Et obligé de... Bah ouais, sur le direct, il se passe trop de trucs. En plus, ça dodge et tout. Et bien sûr, Tyrann prendra le kill. Tietier dans la panade là-dessus, en dessous de sa tourelle. La gold card qui pourrait arriver pour Tyrann. Mais c'est bon, on va se repositionner. On arrive à rectifier en termes de kill. 5 kills de part et d'autre. Quel game, Frost. 10 kills en à peine 8 minutes de jeu. C'est le premier contre le deuxième. Messieurs, dames, à l'Inter, on a hâte de voir ça. Encore une fois, il ne faut pas s'enflammer. Beaucoup de débats autour de LPL, LCK. Il faudra voir comment les Coréens appréhendent un petit peu cette méta des Worlds. Mais rien n'est fait, on l'a vu déjà. Hein. On le LEC aussi. Le LEC, tu as raison de le préciser. Le LCS aussi. LCS, non. On va valide pas du tout. Mais attention, mine de rien, à quand même respecter... le top 2 LCS qui peut quand même cette année essayer de jouer respectons, les respectons. Fait, au moins sur des BO1, mais mon cher Aureus, il faudra respecter. Respectons les NA en BO1. Rotation mid côté Fenplus Phoenix Scoot qui est pas très loin de sa tourelle bien sûr, et on se dispute peut-être ce héros de la faille. On va arriver tard pour Tian, quoique le smite n'est pas disponible, ça va être bien sûr pour les Edward Gaming. Ah, ils ne pourront pas ramasser l'œil, par contre ils vont être complètement zonés. On a une rage André, de il dragon attend, il attend, regarde, du avec côté la plante, de Dwenby. Il va y aller, je pense. Il va y aller, il attend, il fait style, il est parti. Et attention à ce que sur le bot side, forcément le Q a touché. On va stack et Viper qui hésite entre deux focus pour le moment. Crisp qui revient, l'œil est toujours pas prêt, le kill directement de la part de Xiao Laou qui va récupérer un kill et surtout l'œil qui a été deny. Il y a un top side diff pour FPX, mais un bot side diff pour EDG, clairement, qui se dessine dans cette ultime game. C'est compliqué en même temps pour LWX et Crisp, deux face sur cette Kalista qui est loin devant. Double déluge de l'âme, on le rappelle, pour la botlane d'Edward Gaming qui arrive à accélérer. Ça va faire une quatrième plaque du côté de Viper. On aura un petit peu nullifié l'impact de ce héros de la faille puisqu'il n'aura pas été récupéré par les Edward Gaming, ce qui fait que les Fenplus Phoenix peuvent peut-être encore se défendre sur le 1v1 entre les deux top laners. On a de la range du côté de Flandmin, n'a plus beaucoup de mana directement pour Xiao Laou. Est-ce qu'il peut réellement le faire contre oui Flandmin? Pour l'instant ça et se passe le kill 1v1 pour Xiao Laou. Oh là là, la masterclass, on le rappelle, l'entrant à la place de Nuguri. Eh bien Xiao Laou, il est en train de marquer son territoire sur la top lane. Et alors que ça s'active dans la jungle une nouvelle fois, Meiko qui va commencer à essayer de mettre des contrôles, la fissure glaciale, le kill sûrement qui a été fait directement. Est-ce qu'on peut enchaîner côté EDG? Il y a Tian qui est tombé, la destinée, la gold card directement sur Dwenby. Meiko qui peut... Oh, le skill de Dwenby, on ne placera pas le passif de Broom. Crisp qui doit se repositionner, Viper 500 HP, qui est encore assez safe avec le Broom, pas très loin. On a toujours les summoners pour Viper et LWX qui farm, mais qui prend quand même 30 farms dans la vue. Ouais, LWX en difficulté dans ce BO, définitivement pas le meilleur AD hein, de la ligue. On espère pour lui évidemment qu'il va se stabiliser, parce que dans ce collectif il y a vraiment moyen. Si on chope une grosse bot lane, qu'est-ce que ce serait? Parce que quand tu vois l'entrée en top lane, ils ont deux gros top laners. Oh, je l'aime, ils ce top laner. Je suis amoureux, ça y est, il est trop fort chez Olaou. Il a détruit un range avec son champion corps à corps. C'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Oh là 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 là. Et ça sera une possibilité supplémentaire dans les playoffs. Et on le sait, à l'Inter, on aura besoin de plus que 5 joueurs côté FPX. Oh, au mid, en bas à gauche, bien sûr, Dwenby qui a laissé Crisp qui prendra le kill. Attention, Rage du Dragon se repositionnera du côté du mid laner des Fenplus Phoenix. Cette game part dans tous les sens, énormément d'agression. Mais pour l'instant, les Fenplus Phoenix qui vont peut-être aller prendre de l'information dans la jungle. Topside des Edward Gaming. Ouais, on a à peine le temps de respirer, je t'avoue. Il y a tout le temps des fights, on est en play-by-play permanent. Et forcément, pour les Ops, c'est
c'est compliqué. Il y a du replay dans tous les sens, il y a des incrustes. Et on essaye de tout suivre avec vous. On espère que vous kiffez un maximum. La LPL pour l'instant, dernier match, le bump. Et ça va être un pick-up sur Flandre qui explose. Les FPX lancés dans cette dernière game. Les deux équipes en un partout qui se donnent, tu l'as dit, des deux côtés à chaque Viper, fois. Ça répond. Viper, il va devoir carry si fort son équipe. Il a de l'avance, il va récupérer la première tour. On essaie de deny un petit peu le Sbire Canon, mais on va bien récupérer la première tour. Et normalement, du côté de la botlane des Edward Gaming, Xiaolaou va lui aussi récupérer une plaque supplémentaire. Il tient en forme, il a un bounty sur la tête. Il est à 5000 gold quand son opposant est à 3700. Et une flèche qui part, elle ne touchera pas. Par contre, belle opportunité saisie quand même par LWX. Ouais, parce que si ça hit, eh bien c'est la victoire sur ce pick-up. Et sinon, c'est pas grave. La tourelle récupérée en solo du côté de Viper. Viper qui prend un maximum de ressources. L'écart est insane. Et attention encore une fois, Xiaolaou, il veut peut-être la remettre justement. Flandre qui l'a repoussé au bon moment sur le premier cyclone. C'est ce qu'il fallait faire avec ce champion. La boulette qui va passer cette fois-ci. Flandre a besoin de se faire respecter un petit peu contre l'entrant de LDL, celui qui vient des Fun Plus Blaze. Les Fun Plus décidément qui jouent avec deux équipes, l'académie qui permet de fournir du talent. Et on l'a vu au scout. Ah. Peur instant ou c'est un misplay? Ah, je pense que il a dû cliquer, il voulait pas forcément. Et je pense que c'est une glissade là-dessus. Hein. Je pense que c'est une glissade. Qu'on avait à peine vu. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on voit en décalé, malheureusement. Mais bon, au moins avec les ops, on revoit tout. Dans les petits moments où il se passe rien, pas beaucoup. Attention, la play, peut-être. Il y a encore des plates, mon cher Aurius, pendant une minute. Ça va être récupéré. Attention, Tian sur le côté. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire un move côté FPX? On veut tout le temps partir sur le Bagarre Club. Ouais, clairement. On en parlera du Bagarre Club un peu plus tard aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette tourelle a pris quand même pas mal de dégâts. Elle est moins de mid-life. Il reste 45 secondes pour aller récupérer des plaques 40 maintenant. Et on continue de mener l'agression sur le top side du côté de Xiaolaou. Il a son profondeur. Hein. Il peut continuer bien sûr d'agresser. Ouais. Il doit profiter, il doit abuser même de son avance. C'est son timing. Il a raison, tu le disais. Le Divine Thunderer qui permet des différences avec le Conqueror. Et il va y aller quasiment sous la tourelle. Il y a Dwenby qui avait volé une destinée cette fois-ci pour le kill. Il va disengage parfaitement Xiaolaou. On point, pixel pour l'instant, tu le disais. Il fait plaisir à voir. Mais pour l'instant, c'est Tietje qui peut se projeter de l'autre côté en réponse. Et Tietje, ça, c'est bon. En cross-map, effectivement, on va égaliser en termes de Drake. On a également le Twisted Fate. Scoot qui push au niveau de la bot lane. Et on va récupérer la wave encore, hein, la tourelle au top. Côté FN Plus Phoenix qui ont bien sûr refait l'écart. 14 minutes de jeu. Les plaques qui viennent de tomber. Ah, et le héros de la fight dans moins d'une minute maintenant. Ah, il faut accélérer le jeu, on le sait, les win conditions là. Plusieurs limites du côté des EDG qui ont activé cette Kalista de Viper, donc la win condition elle est là. Capacité ensuite à poke un petit peu avec Flandre, même s'il s'est fait un petit peu bosser. Et derrière Tietje, toujours possible avec des flanks, Rage du Dragon, Scout qui est là, mais il se fait un peu counter par le pic de Sylas, c'est ce qui me fait le plus peur au RIP, parce que derrière il y a forcément Dwenby qui a réussi à snowball avec son Sylas et surtout capacité à se projeter bientôt sur un Medjay. En tout cas, il est en train de stack son sonore et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Crisp qui peut faire du très très sale. À chaque fois, la jungle est vue et surtout pour les flanks du côté LWX, on a au moins cette. Tian, il a pris le Q-spell et attention, il est à côté de Viper, ça ira, il pourra se repositionner. Il y a cette ward hein, dans le petit carrefour qui mène de la rivière aux Raptors qui est présente et qui donne pas mal d'informations. Elle va être reprise d'ailleurs par Crisp, cette ward. Et ça pêche maintenant au niveau de la mid lane. Attention à Flandre au niveau de la top lane qui push, mais il n'a pas de téléportation. Il pourrait complètement se faire avoir là-dessus. Certes, on a une prio top, mais on ne peut pas jouer pour l'instant. C'est héros de la faille engagé par Fun Plus Phoenix. Ouais, parler FPX, mais attention, décalage. Est-ce qu'il a vraiment une TP? Non, il a un ultimate de la part de Scout. Est-ce qu'on peut vraiment rejoindre après? Ça a été claqué pour le moment. On a la vision et ça, c'est important. On se repositionne côté EDG. Est-ce qu'on peut vraiment essayer de contrecarrer un petit peu ce héros de la faille? Non, ça sera pris finalement avec cet arrow. Directement le bum qui peut y aller peut-être pour les FPX. L'entrée est très très bonne. Ah, directement le cyclone, le deuxième cyclone qui arrive. C'est un double kill pour Dwenby. On va aller jusqu'à la T1 bien sûr et ça va faire 4 kills scorés par les Phoenix qui s'imposent là-dessus. Le héros de la faille est dans les poches de personne. Donc il a été denied. Et dirons-nous, et la T1 qui va tomber. Par contre, on prend de l'avance, 2000 gold instantanément pour les Fun Plus Phoenix qui étaient dominés il y a quelques minutes. 2000-1500 gold à peu près. Et bien, ils reprennent clairement l'avantage, 2500 gold d'avance. Et ouais, il a disparu là, c'est bien ça. En fait, ils l'ont smite et après, ils ont directement initié avec la flèche de cristal enchantée. Et derrière, ils n'ont pas récupéré, mais c'est pas grave parce que derrière, ça leur permet de faire énormément de kills et de récupérer de toute façon la T1. Donc cette Herald est en fait un peu un bait, c'est-à-dire qu'il récupère
Et en même temps, c'est pas grave si tu l'as parce que t'as pris les golds de l'Hérald, mais surtout, t'as pas l'œil, mais tu prends la tourelle et tu prends tous les kills. Et quelle initiation! C'est dommage de pas le prendre, je suis d'accord. Ouais, mais c'est pas le meilleur. Enfin, il fallait pas se lâcher pour aller le chercher. En fait, vaut mieux à choisir, vaut mieux qu'ils prennent ce fight, qu'ils laissent le Hérald, plutôt qu'ils prennent le Hérald et qu'ils ne jouent pas ce fight, qu'ils remportent. Qu'ils prennent moins de kills et qu'ils puissent pas se projeter. Et regardez Doonby, il est à 6-0-5, il est on fire. C'est incroyable ce qu'il nous sort dans cette game. Alors, oui, il est un petit peu en retard de farm, mais bon. C'est clairement compensé, c'est clairement justifié puisqu'il est partout sur la map. Il est partout, littéralement. Il n'est toujours pas mort. Et il va falloir le suivre parce que regardez, il a son stack de saut noir, 10 stacks de saut noir. Il a son double item. On est à la 17ème minute de jeu et personne ne veut se retrouver tout seul face à Doonby. Ouais, c'est incroyable comment il peut temporiser. Il peut lock ses chaînes facilement avec l'Everfrost. Et Doonby, c'est vraiment la menace numéro 1 maintenant côté FPX. La capacité aussi à se projeter avec l'arrow de LWX qui permet des initiations faciles avec ce Rakan de Crisp dans un second temps. Et on sait qu'à tout moment, ça peut partir. Et c'est ça qui est tellement beau dans ces BO-là. Beaucoup d'agressivité. On espère que vous kiffez cette ligue, cette LPL qu'on adore. Ça joue tout le temps, même quand c'est à haut niveau. Après, c'est vrai qu'encore une fois, on le rappelle, c'est pas non plus catastrophique hein, si les équipes perdent. Donc, c'est pas non plus trop... de stress. Attention, la fissure glaciale qui a été volée, on l'a claqué assez tôt puisque de toute façon il voulait peut-être récupérer autre chose. Oh. Tiens, sous tour, ça semble compliqué. La danse ultime hein, de Crisp a été utilisée là-dessus. C'est un outil de contrôle et d'engage en moins tout de même pour les Fun Plus Phoenix qu'il faudra respecter. Et le Red Buff par contre qui va être subtilisé par Tian. On a le back synchronisé. Regardez, tous les joueurs Fun Plus Phoenix sont en train de back. On perd par contre un petit peu pied, forcément on peut pas être partout. Les Edward Gaming répondent bien sur le top 16. On subtilise également le Red Buff, les Krugs. Une wave qui est envoyée sous tour, le sbire canon tombe. Ça va faire des golds en moins pour les Fun Plus Phoenix. L'un dans l'autre, on arrive quand même à récupérer des ressources, à ne pas se laisser avoir. Et FN Plus Phoenix, bah, même s'ils sont devant, ils ne sont pas gagnants sur tous les terrains. Ouais, ils ont eu raison de reset maintenant parce que c'était important. Le Drake est bientôt là. On fait le plein au niveau des golds, au niveau des wards. On a sur le bot side surtout FPX et on va se projeter au raid pour avoir la prio mid into prio river, peut-être pour se positionner devant le Drake. Drake des vents, ça sera une âme des vents d'ailleurs, donc encore plus de mobilité, de rotation possible. Doonby a fait le dépush puisque ça a été largement push par EDG sur le top side. Et pendant ce temps-là, on va mettre cette H mid, capacité de claquer des arrows si on a la vision assez deep, provoquer le fight. Et ils sont très bons là-dessus, FPX. Même s'ils ne prennent pas l'objectif, ils provoquent leur groupement devant et ils engagent. Les solo laners des FPX qui sont devant en termes de gold. Et on ne l'a toujours pas vu, l'appel du destin sur le Wukong qui pourrait peser lourd dans les prochaines minutes. C'est vrai. Si Doonby récupère cet appel du destin de Viper, il faudrait être très vigilant. Téléportation d'ailleurs de Doonby qui va arriver au niveau de la mid lane. Et s'il arrive à trouver la Kalista, ça pourrait être catastrophique derrière avec le Wukong qui pourrait être envoyé dans la mêlée. Pour l'instant, Doonby avance. Il a son détournement de disponible. On veut voler un ultimate avant de se repositionner. Et ce sera l'ultime de... Et oui, l'ultime de Kalista qui est pris. Il va grouper maintenant avec le Wukong. Ouais, capacité à jeter finalement Xiao Lao pour un flank incroyable. Ça peut se jouer maintenant, attention, hein, puisqu'on est à 20 minutes de jeu. Si on arrive à faire un bon fight, à prendre au moins 3 ou 4 joueurs, eh bien ça peut être T2, T3, voire un inhibiteur. Justement, c'est parti, fissure glaciale. On va essayer de disengage, de choper la pression du côté des EDG, mais ça semble compliqué. Le singe, ça y est, chez Olao qui arrive avec Wukong. Et directement, le cyclone qui est positionné, on va peut-être pouvoir engager entre les T2 et les T3 et l'équipe qui s'enchaîne en faveur des Fun Plus Phoenix. Double kill pour le rookie de cette équipe. Oh là là, c'est Xiao Lao qui fait les dégâts, qui fait les kills. Et c'est un Nashor qui s'ouvre grand maintenant. Tieti est quand même en vie. 3000 gold d'avance. Oh. 3000 gold d'avance. Hein, là. Pardon, je ne sais pas compter. 4000 gold d'avance avec cette tourelle. 4000 gold. C'est pas l'écart voilà, qui permet le plus de dire que la game est jouée. Mais bon, il y a quand même deux dragons à 1. Il y a ce Baron Nashor qui est engagé. La contestation semble très compliquée pour Tieti qui avance avec son Lee Sin. Peut-il faire le miracle? Tieti, il a la plante explosive. Voilà, il a raison, il se met derrière. Il a alors le pollen peut-être pour prendre l'information. Alors peut-être. Oh, c'est parfait sur les HP pour le moment, mais il va peut-être pas y aller. Il faut y aller au talent. L'onde sonore a été claquée sur Doonby. Il est obligé d'y aller. Oh, il y a un kill déjà qui est fait. Il peut peut-être y aller. Ça n'a pas été pris. C'est Viego qui l'a récupéré. C'est Tian. Est-ce qu'on peut disengage pour les FPX c'est pour bon, le moment? C'est bon, c'est disengage. On aura évité le pire. On aura évité le steal. Mais bon, les Dark Gaming qui répondent présent, ça fera un kill pour Flandre. Il faut prendre la mid lane pour les Edward Gaming, prendre un maximum. Le problème c'est que c'est un back amélioré du côté des FPX avec LWX qui sera là, pas pour la tourelle. Ah, c'est un moindre mal. Il va falloir rentabiliser Snasher maintenant.
Oh, c'était chaud, c'était chaud. Je pensais que Tieti pouvait vraiment le faire. Lee Sin, c'est le pic pour essayer de faire un Steel Nash. En plus de ça, il a pris l'information au bon moment. On revoit ça, Auré. Au début, les dégâts sont assez lourds déjà sur Meiko, malheureusement, qui est obligé de reculer dans ce fight. Flandre qui arrive, Xiao Lao qui arrive dans le back. Et regardez ça, c'est une entrée parfaite pour le roi. Et Viper, hein. Viper qui arrive quand même à... Ah, il prend le deuxième cyclone, mais derrière Flashout, il peut continuer à DPS, mais c'est trop dur. C'est genre beaucoup trop dur pour lui de s'exprimer. DPS, ouais, il a un Sylas et un Wukong au corps à corps qui sont bien dans leur game. Forcément, les dégâts eh bien, sont présents. Et les Fun Plus Phoenix, après avoir récupéré ce Baron Nashor qu'ils ont sur 4 joueurs, sont en train de pressuriser un maximum les Edward Gaming dans leur base. Ouais, c'est bien. Il laisse Xiao Lao tout seul avec sa TP sur le bot side pendant que la team est en train d'avancer sur la middle lane. Mais regardez, Tietier, forcément, avec une rage du dragon qui attend sa possibilité, pourquoi pas, de faire le finalement clutch qui pourrait changer la game. Et justement, ils veulent pas prendre un seul risque côté FPX, ils le savent. Il y a des misses, on recule, on avait pris ce qu'on voulait, c'est-à-dire un petit peu le push. Et surtout, on veut être présent parce qu'il y a un Drake dans 1.45. C'est un peu compliqué la phase de jeu actuellement pour les Edward Gaming, puisque ils ont quand même, on va dire, leur point fort, de la mobilité avec la destinée. On a un petit peu de pile quand même avec un kick, une gold card, le brome. Donc on a de quoi donner de l'espace à la Kalista. Mais Kalista n'est pas le meilleur AD carry en teamfight. Après là, elle est bien dans sa game la Kalista de Viper. On a 3 items donc il faut quand même la prendre au sérieux. On peut également jouer sur du POC bien sûr avec le TF et ses atouts, avec l'orbe électrique du Jace. Donc il a des choses à faire valoir. Le problème c'est que les FPX ont du DPS beaucoup plus régulier. Le pick-up peut-être là-dessus aurait avec la TP qui a été enclenchée. Il est tout seul, Scout. Il va se faire pick-up sur un moment délicat là. Et on va pouvoir push le top side. Ils ont le Baron Nashor toujours pendant 40 secondes. La T2 est pour eux. C'est dur là-dessus parce que regarde le back pour Flandre. Ils vont être obligés d'essayer de défendre la T3 avec difficulté puisqu'il y a un canon qui va avancer. Et on pourra se projeter peut-être sur un Drake par la suite, prendre la T3 minimum. L'inhibiteur, ça serait parfait. Ah, ça va tomber. Ah, le Jace qui était bot, qui a pris la wave, mais pas de téléportation pour revenir vite avec les mates. Et ça y est, on a récupéré la fissure glaciale du côté d'une bille, va utiliser instantanément avec également l'Everfrost. On enchaîne un petit peu les dégâts sur Meiko midlife qui va rester, qui ne va pas back tout de suite. Est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? Coup de revient, il a une destinée, le midliner d'Edward Gaming. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment y aller en initiative comme ça? Ça va être quand même tenté de la part d'Edward Gaming. Pas assez de dégâts, les CC étaient plutôt bons. Ils sont assez low là pour le coup. Flandre qui va se faire rush. Complètement Dwenby avec son Sylas, ça peut être compliqué. Tian également qui va faire le tap. Xiao Lao qui fait le kill sur le Jace de Flandre. Ah, c'était compliqué, on sentait qu'il y a une petite fenêtre, mais ça ne suffira pas. Ça leur ouvre ce 1 pour 2, ça leur ouvre la T3 au mid. Par contre, on a le back de Dwenby qui va revenir en téléportation. Les sbires vont tanker un petit peu plus. Et la T3 qui va tomber. Est-ce qu'on va prendre l'inhibiteur? Ça semble compliqué, quoique Dwenby va récupérer la destinée. Il esquivera encore une fois le Q-spell de Meiko. Il n'y a pas Tietier, il y a un Drake Kratos. Et ouais, le Drake, bien sûr, la destinée au bot. On va reprendre la wave. Oh, il a raison. Mettre un maximum de pression encore en plus sur ces Edward Gaming. Et regardez les rotations de Dwinby, l'avance qu'il a. Ça lui offre également 2 levels sur son opposant. Il est stratosphérique. Ouais, tout le monde est. Il y a beaucoup de joueurs stratosphériques. En tout cas, ce BO est assez monstrueux. Et on se délecte évidemment avec les références de la LPL pour l'instant. On le rappelle, 2 équipes qu'il faudra suivre dans ces playoffs, bien évidemment, vous le savez. Vous, tous les meilleurs sont là, bien sûr. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à kiffer, à être addict de la LPL, qui compte beaucoup d'équipes, mais beaucoup d'équipes qui sont de plus en plus stack, mon cher Aureus, et qui nous font plaisir, top 10, à suivre des playoffs de fou en BO5. Une ligue très, très garnie, avec de plus en plus d'histoires construites autour des équipes, énormément de storytelling à vous raconter. Oui. Et ça nous passionne au quotidien. En tout cas, on a ce troisième Drake côté Fun Plus Phoenix et un site 1 de la saison régulière de LPL qui leur tend les bras. Dwinby qui avance. On veut récupérer cet inhibiteur mid avant toute chose. Ouais. Est-ce qu'on retrouve la renaissance du Phoenix total? Peut-être avec un titre à la clé. En tout cas, pour l'instant, une première place du côté des Fun Plus qui voient leur équipe se remettre là où ils étaient. Et peut-être au niveau des championnats du monde 2019, ils ont une étoile sur leur maillot, comme les IG. On le rappelle, 2018-2019, doublé pour la Chine. On l'avait mentionné, ce Medjay à 16 du côté de Dwinby. Non, mais bah, on il avait est vu là. Que ce saut noir, il était en train de se stacker, effectivement. Et ouais, ça se stack tranquillement. En tout cas, Dwinby qui ne perd pas le nord. Attention, l'Everfrost qui ne connectera pas le slow sur Meiko. Rien de trop grave pour l'instant. Il faut récupérer les waves côté Edward Gaming, mais leurs options de scaling late game sont bien moins imposantes que celles des Fun Plus Phoenix. On prend position au niveau de la botlane. Attention, le POC qui est avec Flandre bien utilisé côté Edward Gaming. On va pouvoir remonter normalement en point de vie.
Nabil, il faut absolument défendre cette T3. Ouais, il faut surtout des poches, mais peut-être pas assez. Le cyclone qui a été claqué, peut-être le regroupant sous la tourelle. Un premier kill de la part de Dwenby, ça peut être catastrophique. Un nouveau kill de la part de Chiaoulaou. Dwenby peut-être encore plus loin sur Flandre. Flandre qui va tomber. Double kill, peut-être c'est triple game. Kill. Non, ça va être récupéré. Double kill simplement pour Dwenby. C'est la fin de la game, c'est incroyable. Il y a un kill quand même qui a été fait. Oh, c'est TF sur TF forcément. Et c'est Scout. Et ça va être les T4 qui... Oh là 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 là, ah, cette fin de game, elle est... Il se passe tellement de choses, mais la game dure moins de 27 minutes, Frost. Ça va dans tous les sens, c'est très dynamique, ça va très très vite. C'est ça, le top niveau de la LPL sur ce Summer 2021. Et les Fun Plus Phoenix qui s'imposent, ils sont premiers, ça y est, de saison régulière. On a notre arbre des playoffs qui est validé, les joueurs qui se saluent ici à Shanghai. Et je veux voir plus de Chiaoulaou, s'il vous plaît. Ah, il a montré, t'inquiète pas, il a montré à tout le monde son entrée en troisième game comme ça d'un BO3 où il y avait un petit peu de pression pour le prestige, même si on le rappelle. Bravo. L'enjeu, c'était très beau, que très beau run un des deux, deux équipes hein, sur le semaine. Voilà, deux références hein, qui vont, on n'en est pas sûr évidemment, mais qui devraient peut-être se retrouver en fin de play-off. Ça va être monstrueux. Franchement, encore une fois, je suis pas presque à bout, mais qu'est-ce que c'est comme game que j'ai casté encore avec toi, parce que la dernière fois c'est pareil, je sais pas si tu te rappelles la fameuse game où on a absolument pas respiré, il y avait pas le temps de voir aucun replay. Oh, c'était IT en voyance. C'est incroyable parce que on s'endort pas, on a une game complètement monstrueuse entre les deux premiers du classement. On dormira quand on sera mort, Frost. Oui. Ouais, voilà, on fera ça. Mais plus j'adore ça là. Franchement, depuis qu'on commence à caster, franchement, c'est un bonheur d'arriver sur des BO comme ça, de caster des leagues comme ça. Je suis d'accord. Franchement, après, on a du niveau en France. C'est vrai que la LFL est monstrueuse, ça fait plaisir. Ah, mais c'est évidemment, pareil. Hein. Enfin, c'est pareil. Moi, j'aime voir la France tout en haut. J'aime Bien voir sûr. Évidemment le beau jeu, la LPL tout en haut. J'espère que vous kiffez un maximum. On a le récap évidemment. Mini roller coaster, vous l'avez vu, c'est pas monté à plus de 2K du côté des EDG qui s'en sortaient pas si mal au ré. Et derrière, malheureusement, ça a un peu glissé. Mais les EDG avaient fait quelque chose de bien dans cette game quand même. Ouais, les EDG, il y avait quelque chose. Alors, un petit peu comme la game numéro 1 du BO finalement. Ils n'ont pas cette option scaling. Ils n'ont pas cette option de condition de victoire late game. Il faut absolument qu'ils s'activent en early game. Et pourtant Viper pour est garder activé. Cette avance tout le long. Ouais. Et ils n'arrivent pas à le faire. Ils le font bot side. Viper et Meiko pour le coup qui ont un petit peu haute classe sur le BO, particulièrement LWX, mais Crisp a réussi quand même à trouver des opportunités. Et le topside par contre qui a perdu un petit peu les pieds, alors qu'il y a ce TF, il y a ce Jace, il y a ce Lee Sin, c'est des picks quand même qui sont impactants normalement ouais. dès l'early game, mais le Sylas de Dwinby, pick scaling qui prend de l'avance ça trop counter rapidement. Trop au niveau des décalages, parce et que ouais. si tu veux utiliser tes destinées et faire le taf sur les sides, le problème c'est que t'es suivi systématiquement, ça reste Dwinby, ça reste aussi Tian qui est capable ouais. de faire des choses avec Viego aussi, c'est des... Factor X, tu vois, trop important, la capacité à se faire counter un peu à la fois mid, à la fois un petit peu jungle. Et on a vu malheureusement Lee Sin, tu sais, hésiter sur les flancs, ne pas faire suffisamment le taf. Là, c'est dramatique parce que derrière, tu as Chiaoulaou qui est en train de nous faire quelque chose d'incroyable face à Flandre quand même avec ce Jace. Dwenby arrive à suivre, il fait une masterclass au top, il prend un doublé. Là, encore une fois, ils arrivent, tu vois, à ce point à être polyvalent qu'ils lâchent le Herald pour aller récupérer complètement le fight. Ils sont lucides en fait. C'est ça, à si tous les on moments, prend le Herald, on perd du temps. Allons sur ça eux. Colle et ça ah instante ouais. tout de suite comme il faut le focus en fait. Et on revoit ce fight. Alors, celui-ci, personnellement, j'irais aller le décortiquer en off parce que il s'en est passé des micro plays impactants dans ce team fight bien sûr. Et du coup, les Fun Plus Phoenix qui s'imposent, on l'a vu. Le MVP de cette game, c'est Dwinby. C'est bien sûr le mid laner des Fun Plus Phoenix. Il a 13 MVP sur ce summer. Il n'est donc pas premier. Le premier, c'est le mid laner des Tapis Sport. 14 hein, MVP pour. Bien sûr, la petite danse de France, vous la connaissez. 14 MVP pour le mid laner des Top Esports. Alors, pour la défense de Dwinby, Knight, il n'y a pas grand monde dans son équipe susceptible de prendre des MVP. Là où côté FX, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent venir prendre des MVP. Wow, donc ils ont Karsa peut-être un peu plus de valeur. Jackie Love, il y avait des choses quand même à prendre. J'aime bien tout trigger après, un petit peu. Après, je suis d'accord que dans l'absolu. Après, ça n'enlève pas la performance monstrueuse de Knight. Hein. S'il n'y a pas Knight chez TES. Aller chercher ce site 5 des playoffs, c'est compliqué. Il a carry beaucoup de games en 1v9. Il a battu le nombre de solo kills sur un split qui était continue, détenu ouais. depuis 2018 par The Shy. Il l'a battu, c'était 28. Il l'a explosé même. Il est rendu à 32, même peut-être plus. Je tiens plus les comptes. Faudra que j'aille vérifier un petit peu. Ah ouais, parce qu'il en a eu pas mal sur les deux games contre ouais. Team WL. Et il a dépassé également
Marine, ancien top laner des T1 à l'époque, SKT T1 en 2015. Et le record est à 34 par Marine. Avec playoff. C'est saison régulière plus playoff au cumulé. Donc, on va suivre bien sûr ce que va faire Knight au playoff pour exploser encore un peu plus ce record. Ouais, ce qui est cool, c'est que TES a cette expérience, tu sais, de l'Inter, du BO5, capacité à faire des choses. Et j'espère que TES est capable de remonter même quand ils sont menés. En tout cas, voilà, on a Dwayne B normalement. En interview, ça c'est énorme. Allez, Dwayne B. Our super carry Dwayne B. So congratulations on today's win. And now FPX have ended your regular split with the first place. So how would you evaluate the journey of this whole summer of the regular season? 那首先恭喜你们今天是拿到了比赛的胜利，我们对面选手也是二连MVP嘛。然后呢，现在你们的常规赛也是以第一名而结束了，所以说想问一下，可能你怎么去评价整个队伍的这个赛季的表现呢？其实我们可能刚开始就下赛刚开始的时候打得不是很强吧，就很厉害吧，可能不太稳定。然后打到第二轮的时候，我觉得七月份把上个月感觉打得都特别好，因为我们之前输给李宁啊、IG啊、BLG，那时候其实我们 还是送的比较多，然后对那这种少失误太多了，每个人都有线伤的什么问题啊，但是后面打到第二轮快季后赛的时候，我觉得这种对线伤、近伤什么把把单下对面的人，然后打团也没有什么这种失误，所以我觉得打得蛮好的。 To be honest, I really feel at the beginning of this split we didn't perform that good, or our performance was not that stable generally. And for the games that we lost, maybe to the LNG, to the IG, to BLG in those best of threes, we just didn't manage to perform so good, and we have some mistakes here and there. But I must say, in the second round or in the second half of the split, we were able to just make some adjustments, and generally our performance can be better. So maybe in the actual games, we can have so many solo kills, and we have more coordinated team fights. So generally, because of this, we were able to have even better performance in the second half of the split. And let's talk a bit more about today's game. So in game one, your Aurelia performed so good, and your Aurelia have a very, very unique item build, a very tanky item build. And for the skill builds, you focus more on the W skill. So could you share more about your unique understanding toward this champion, and maybe under what situations can the other Aurelia players just choose this item build? 那其实说到第一局，我们硬币哥的一个刀妹，感觉是由你自己非常独特的一个理解，是一个主 W 的肉装刀妹嘛。所以说，可能能不能和我们大家分享一下你对这个就是对这个英雄的一个看法？同时呢，可能在什么情况下我们出一个主 W 的出肉装的一个刀妹是一个比较好的一个选项呢？嗯，就是11.14，我觉得刀妹我练的最多。11.14练的最多的英雄就是刀妹，因为我觉得刀妹那个时候刚改了之后，我觉得这个英雄比较适合走中路，然后 比较适合出可以学这个装备，因为那个时候不是11.14什么挺进破坏者什么都被削了嘛，然后其他的暂时神话装都被削了，就一个可削还火则可以用，然后我想了一下有什么英雄可以用可削，可以出可削呢，然后后面还是觉得只有一个刀妹可以这样出装，然后刀妹也加强了嘛，然后后面其实训练赛也试过，然后效果都特别好，排位可能偶尔就上头，因为这个英雄毕竟是很容易上头的一个英雄，但是我觉得比赛跟训练赛的话还是会控制好自己，然后还是会忍，有时候要上头的时候队友也会跟我说不要上头，所以我觉得比赛效果比较好吧。 To be honest, I really feel in this new meta, 11.14, Aurelia, this champion is the champion that I practice most because there are very huge changes for the items in this new patch, especially on this Gold Drinker, because it feels like some other item, they just got nerfed. So Gold Drinker can be a very good item for the main lane player. So I just seek for more the champions, which can be a very good champion to fit in with this Gold Drinker, this items. Then I found that Aurelia can be a very good choice. And also, I really practice this champion a lot in the scrims, and this have shown a very good result. Also, I have practiced this champion sometimes in the solo ranks, but you know, in the solo ranks, sometimes we just play too aggressively, and this mainly some I just maybe throw the whole game. But you know, in the actual scrims or like in competitive plays, we can be more meticulously, and also sometimes my teammate will just told me like you need to play a bit not that aggressively in the actual game. So that's a reason for me to just choose this item build. And also the reason for me to be able to just use this champion so well in all the plays currently. And definitely, I must say, in your team, in FPX, there are so many very good Aurelia players like you and Nogri and also LWX, I must say. So in your perspective, who's the best Aurelia player and why?
那其实就感觉我们小凤凰队内有很多很多的刀妹绝活过嘛，那现在的我们的硬币哥，然后包括牛宝，甚至还有翔哥嘛，就感觉大家都玩刀妹玩得很好，那在你心中谁是第一刀妹呢？方Flats第一刀妹原因是什么？ 我觉得商单刀妹是牛宝玩的最好，然后中单刀妹是我玩的最好， AD 刀妹是闪哥最好玩的最好，高情商嘛，我觉得这回的满分，这回答我就挺好的。 So I must say for the top Irelia, Nogre is the best player, and for the mid Irelia, I'm the one. And also for the AD marksman Irelia, definitely LWX, he performed that so good. So I think my answer is the best answer, right? Yeah, definitely. I love this answer. And let's talk a bit more about your Lilia choice in game two, because we feel this is an uncommon and unexpected pick. But could you share more about the reason of choosing this champion and what went wrong in game two with this choice? 那其实第二局的一个莉莉亚中单，相信也是很出乎大家意料的。所以说，想问一下，可能选出中单莉莉亚的契机是什么呢？而且，就第二局可能问题出在哪里了呢？ 我觉得是，我是这么想的。第二局其实选莉莉亚，大家都觉得莉莉亚比较好，因为我们莉莉亚这个英雄其实也我是11.14，也是练的比较多的一个英雄。然后呢，我们训练赛也用过，效果特别好。但是比赛的话，可能是因为第一没想到对面一直卡尔玛有点克我，因为counter我，因为我碰不到那个一直跟卡尔玛嘛，然后还有卡尔玛的那个盾加 RE 可以给队友抓那个加速，还有一个是，还是玩的太少了。我觉得多玩几把可能玩的比这个好。其实我莉莉亚训练赛排位加起来可能应该有30到50多把，练了这么多把，但是还是玩的太少了。我觉得多玩几把可能比这个好一点。但是我这个肯定不会放弃，因为毕竟莉莉亚这个英雄打战士英雄，鳄鱼瞎子这种打的线上都有优势。其实我那把对线是赢了，只是团战打的太可惜了。 To be honest, I really practice this champion, this mid Lilia, a lot in this new patch 11.14. And at that time, when we during the ban pick phase, all of us think that mid Lilia can be a very good choice. But I think the opponents, both dudes, Ezreal and also the Karma, those two champions can really counter me a lot because of I just cannot target them in those in all the team fights, especially with the Karma's RE with those skill shots and her shields. So it's very hard for me to just target on the opponent's team in actual team fights. But we still think Lilia can be a very good choice because it's can be a very good counter against some champions, especially the warrior champions like Lee Xin or Renekton. So I definitely will not give up to in practicing this champion because I have already practiced this a lot in the all the solo ranks and also in the streams, maybe around 30 Lilia. And I think this can be a very good choice. And it actually have shown the very good result in all our scrims. So that's the reason for us to just would like to give this champion a try in LPL, on the stage of LPL. But unfortunately, in today's game, we didn't manage to see a very good result. But I will never give up on this champion, and I will practice more mid Lilia in the future as well. And of course, we're all looking forward for even better performance on your Lilia. And my last question is now, you guys are looking forward to the next journey, the playoffs. So maybe do you have any words you want to say to all the teammates and also all the fan that always supporting FPX. 那最后一个问题也是，你们现在也要是像季后赛发起冲击了吗？那或许在现在，作为队内的一个老大哥，有没有什么话想要对队友们啊，或者说一直支持我们小凤凰的粉丝们说的呢？因为我们这次是常规赛第一名进些季后赛的嘛，然后我们季后赛也是，我们会第一名，就是哪个冠军，常规赛第一名，我觉得季后赛哪个冠军应该不过分吧。然后还有一个是，其实我们 下这次下一赛也是经历了各种各样的事情，可能今年是FunPlus真的是事情比较多的，经历了很多很多事情，但是我们选手们真的是还是做到了，我们每个人做该做的事情，然后到现在走到这一步真的是很不容易，这个是粉丝们就是 FunPlus 粉丝们都知道的，真的很不容易，今年，然后所以希望今年有比较好的成绩，我说的比较好的成绩可能 就有一个冠军吧，所以希望今年我们下一赛能拿个冠军。 So because we have already qualified to the playoffs at the first place, so we want to end our playoffs at the third place with this champion. We want this champion. And also, I must say, for this whole summer, it's not a very smooth one. We have so many stuffs comes on. We got some roster changes. We have so many stuffs comes in. But fortunately, all of our teammates will really put full effort into this. And I must say, I believe all the fans have already noticed that we really have so many stuffs goes on, but definitely we're able to handle
handle all of them quite good. So I think in the future, I would just like to put in full effort and I want to end this summer with a championship. We won this championship. And definitely best of luck for the playoffs and congratulations again. 再次恭喜你们，希望你们能够如你所愿。 And see you guys in the playoffs. Bye bye. De retour. See you in playoff, forcément. C'était le dernier match, le dernier BO de cette saison régulière de Summer. Mais les playoffs, bah, ça commence jeudi, ça commence bientôt. Et avant de débriefer un petit peu sur l'interview de Doonby, sachez que demain soir, lundi 9 août à 20h, il y aura le dernier Bayer Club de l'année où on va pouvoir voilà, récapituler un petit peu tout ça, parler de ce qui s'est passé sur le Summer, parler des playoffs. Et croyez-moi qu'avec les Larry Vanhoenacks, on en aura des choses à dire. Voilà, un petit mot rapidement sur... Ça va durer 4 heures peut-être, au final. Peut-être 4 heures. Non, ça sera 2 heures normalement. Pour, mais... pour les playoffs, plus, la... plus tout, le plus Summer. D'ailleurs, il y en aurait bien plus à dire. Un petit mot rapide sur l'interview de Doonby, voilà, pour nous teaser un petit peu ce qu'il a dit. Déjà, il a beaucoup parlé de ce pick Lydia qu'on a vu apparaître aussi en mid lane. Il a dit qu'évidemment, c'était, le but, c'était d'essayer de... Bon, après, il a parlé aussi de la suite en playoff, ce qu'il voyait et il pensait pouvoir aller peut-être... gagner ce Summer Split. Ah bah là, c'est ce qu'ils visent, hein, la première place. Clairement. En tout cas, c'est sûr. Ils ont eu la première place déjà en saison régulière. C'était la première question de Wendy. Qu'est-ce que ça laissait comme impression à Doonby? Eh bien, globalement, il a dit qu'ils n'avaient pas très bien perf hein, sur le début du Summer. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'irrégularités. Qu'ils n'avaient pas voilà, fait un bon début de Summer, mais que sur la deuxième moitié, ils ont vraiment réussi à step up. Faut mieux, moins bien au début, bien à la fin. Ouais, pas comme LNG. Effectivement. Et du coup, voilà, ils étaient un petit peu plus confiants sur la suite. Au niveau de la game numéro 1, Wendy est revenu sur la Irelia mid, qui était joué un petit peu tanky, Gordrinker, en premier item. On parlait de cette adaptation, effectivement, du fait qu'avec ses mates, il a vu et en fonction, il essayait de changer un peu ce stuff qui était moins vu d'habitude et qui est plus polyvalent. Et en fait, il tanky, il laisse un peu ses mates faire aussi. C'est ça. C'est, après, c'est sur le patch 11.14, on évoluera sur le 11.15 où il y a eu quelques modifs, bien sûr. Mais du coup, bon, ça sera plus d'actualité au playoff, mais il a build tanky, il a max le Z et globalement, c'est un champion qu'il aime bien parce qu'il peut répondre à l'agressivité par l'agressivité. Globalement, c'est ce qu'il fallait retenir et ça, Kirillia est également très bien designé pour ça. Ensuite, bon, forcément sur l'Irelia, il y a trois gros joueurs d'Irelia dans l'équipe. Il y a Nuguri, il y a Doonby et oui, il y a LWX aussi, il a des carrés. Du coup, Wendy lui a demandé c'est qui le meilleur joueur d'Irelia dans ton équipe et il a dit alors au top, le meilleur joueur, c'est Nuguri. Au mid, le meilleur joueur, c'est moi. Et au bot, ouais, franchement, LWX, c'est le meilleur joueur. Du coup, voilà. Elle a dit c'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure réponse possible. Ouais. Elle l'aura pas eu sur cette question. Et ensuite, bien sûr, la Lilia mid, hein, t'en parlais, Frost. Il l'a beaucoup entraîné. Il l'a joué dit, en scrim. Ouais. Il a eu des bons résultats avec. Mais globalement, il a trouvé que la réponse d'Edward Gaming était appropriée. Ezreal, Karma, ça a beaucoup de range. Ouais. C'est mobile. Le Mantra Shield apporte justement de la mobilité à toute l'équipe, ce qui empêche la Lilia de réellement trop gap close. Et c'était le problème principal de Doonby dans eh bien, ce match numéro 2. Il n'arrivait pas à reach les adversaires dans les teamfights. C'était très compliqué d'aller chercher le Ezreal. Et par contre, ça marche bien contre Renekton et Lee Sin. Donc c'est pour ça que le pick était cohérent. Mais il y croit à ce pick de Lilia. Et il a dit qu'il allait continuer à l'entraîner et qu'il allait probablement le ressortir. Donc à voir. On sait que Doonby, c'est le genre de joueur à sortir Malphite mid au Worlds. Donc voilà. À surveiller peut-être Nautilus mid aussi, par exemple. Nautilus mid, voilà, c'est une autre époque, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et ensuite, il y a les playoffs qui arrivent. Est-ce que tu as un mot à nous dire dessus, Doonby? Et sa réponse était ils ont la première place en saison régulière, ils veulent la première place du Summer sur les playoffs. Bien sûr, ils veulent être sacrés champions du Summer Split 2021 de LPL. Et que, bon, il est au courant qu'il y a eu quelques soucis, qu'il y a eu pas mal de changements dans le roster aussi, un peu plus récemment, etc. Mais qu'il est confiant, son équipe, et bien, Defend plus Phoenix. Voilà, il y a du potentiel, il y a vraiment matière à faire de belles choses. Et il est confiant globalement là-dessus et qu'ils vont continuer à faire du mieux qu'ils peuvent. Ouais, complètement. Et puis il l'a dit, hein, maintenant qu'il cible un petit peu les difficultés, ils vont monter. Il a dit, il y a encore une marge de progression, on peut monter en puissance, ça sera les playoffs. Les FPX sont champions du monde, donc ils ont beaucoup d'XP là-dessus. Leur roster a peu évolué. Ils ont quand même intégré Nuguri, capacité à mettre un. 5 champions du monde. C'est ça qui est quand même assez énorme. Et ils peuvent nourrir évidemment des possibilités de titres. Et bien sûr, il ne l'a pas dit, mais la capacité de les voir en Worlds, qui serait évidemment. Entre guillemets logique, et ça serait un cataclysme que de ne pas voir FPX évidemment dans les quatre sites quand même chinois. Il y a des chances qu'ils y soient. On préfère pour les équipes wildcard que FPX ne soit pas en play-in. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe en play-in,
Ça va être du très très lourd. Quoi qu'il arrive normalement. Sauf ERA ou une équipe vraiment qui n'a jamais fait trop d'inter. Même ça normalement. Ouais. Mais attention, hein, parce qu'on l'a dit, LGD qui devait être au-dessus. Bon, c'est encore un autre cas de figure. C'était plus bas que le top, je suis d'accord, 4 qui devrait se présenter quoi qu'il arrive. Mais cette équipe pas expérimentée qui était en train de s'effondrer parce qu'ils étaient à domicile. Et les BO1, tu vois, le nouveau schéma du play-in qui a changé la donne et on a eu peur. Hein. Bon, alors le format et tout, je pense que ce sera encore à confirmer du côté des Worlds. Mais effectivement, les BO1, bah, les équipes asiatiques, que ce soit en Corée ou en Chine, s'entraînent sur du BO3. Du coup, forcément, les BO1 elles peuvent se faire un petit peu surprendre. Et il y a un peu plus de possibilités de gamble, de fromage et ce genre de choses. En tout cas, voilà pour cette dernière journée de saison régulière du Summer Split 2021 de LPL. On espère que vous avez apprécié la compétition. Elle ne se termine pas, on vous le rappelle, demain soir 20h, Bagarre Club. Jeudi 11h, BO5 Sunning contre LNG. Ce sera le match d'ouverture des playoffs. J'espère secrètement y être et j'espère caster Sunning LNG avec mon bros érotique pour voir un petit peu qui s'en sort le mieux. Et nous, on va du coup vous souhaiter une très bonne fin de dimanche. On se revoit bien sûr demain à 20h. Merci à toute l'équipe de Caster. Merci également à tous ceux qui s'occupent de la technique, nos bros dans le chat, vous l'avez vu, qui nous relaient les informations, etc. Et merci à vous, le chat, de nous soutenir. C'est très, très sympa. Voilà, si notre travail et tout est apprécié, on a le droit aussi de le dire et de vous dire merci. Voilà, donc merci. Et du coup, bonne fin de journée. Et à demain, 20h pour le Bagarre Club. Salut. Je m'appelle Nicolas Briand. Mon pseudo c'est Aureus, j'ai 25 ans et je suis commentateur sur League of Legends.